Bon, eh bien, après avoir longuement évoqué les origines et l'histoire des Turcs sur la longue durée, nous allons maintenant passer à la seconde partie de cette émission en nous concentrant sur la Turquie moderne du début du XXe siècle à aujourd'hui. Alors, ne perdons pas de temps et attaquons directement. Cher Richard Beck, j'aimerais vous poser cette première question qui est assez vaste pour commencer. Il est impossible de parler de l'entrée de la Turquie dans le XXe siècle sans aborder la chute de l'Empire ottoman, bien sûr, et surtout sans évoquer la, la figure centrale de Kemal Atatürk. Je voudrais donc que nous voyons ensemble les événements qui ont porté ce Atatürk au pouvoir. Pour commencer, petite question simple, pourquoi l'Empire ottoman fut-il surnommé l'homme malade de l'Europe Alors, l'Empire ottoman est surnommé l'homme malade de l'Europe par le tsar Nicolas Ier. Donc, en fait, il fait référence là à à La longue décadence en fait hein, progressive de, de l'Empire ottoman et finalement j'ai presque envie de dire à, sa, à son hospitalisation c'est à dire que il y a vraiment une image à des caricatures à l'époque où on montre on montre l'Empire ottoman comme bah, un homme malade souffrant avec en fait les puissances européennes à son chevet parce qu'il faut savoir que, euh, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, on va le voir, on va approfondir cela, euh, ce n'est pas l'Europe qui a détruit, qui a, qui a tué l'Empire ottoman, mais donc déjà c'est Atatürk qui a porté le, le coup final, le coup fatal, mais euh, je dirais même en fait que le, le, les puissances européennes, notamment la France et l'Angleterre, ont long, longuement travaillé justement à sa, euh, à sa convalescence, en fait pour ré employer un terme médical, ils l'ont mis sous perfusion, euh, le, la Russie aurait dû détruire euh, dix fois euh, l'Empire ottoman et finalement ce n'a pas été le cas parce qu'à chaque fois l'Europe et l'Angleterre viennent, euh, viennent à sa rescousse pour essayer de lui donner euh, dix années de plus à vivre à chaque fois dix ans de plus dix ans de plus on repousse en fait les chances on repousse finalement euh, cette mort euh, inéluctable en fait au final parce que c'est une, une longue décadence hein, de, de cet empire ensuite euh, alors je préviens que pour le, pour le reste, euh, pour ce qui va suivre, ma réponse risque d'être assez longue. Mais il y a vraiment une dynamique dans l'enchaînement des événements et tout est, en fait, tout est en fait sensiblement imbriqué. Et il me paraît nécessaire de revenir à, à la genèse des choses, euh, car rien n'est dû au hasard hein, dans l'histoire de, de cette fin de l'Empire Ottoman et donc dans l'histoire de la naissance de la Turquie. Tout a une origine. Euh, tout comme la Révolution française n'est pas sortie de nulle part, n'est pas une rupture brutale et imprévue mais le fruit d'une longue maturation, euh, il en est de même avec l'avènement d'Atatürk et le bouleversement qu'il a, qu a apporté. Pour comprendre l'histoire d'Atatürk, il faut revenir un peu en arrière afin de comprendre le, le contexte général dans lequel se trouvait l'Empire, car Atatürk est véritablement ce que l'on pourrait appeler le, le fruit de son époque. Comme abordé à la fin de la précédente vidéo, l'Empire ottoman connu euh, pour différentes raisons, donc une longue agonie, euh, Parallèlement à cette agonie, il connut différentes phases euh, dites d'occidentalisation. Euh, la première de ces phases, nommée euh, nizam i nouvel ordre en opposition à l'ordre des anciens, l'ancien Nizam, euh, commence sous le règne de Selim III. Donc euh, Sélim III, il régna de 1789 à 1807. Ce nouvel ordre est marqué par la personne donc, du sultan Selim III. Euh, Celui-ci illustre les contradictions de, de l'époque, c'est-à-dire une nostalgie des anciens, qui n'ont pas encore disparu d'ailleurs, et les prémices d'une volonté de renouveau. Euh, nous sommes dans une période d'entre-deux, une phase où l'Empire cherche véritablement sa voie. Il faut préciser, ceci illustrant bien l'époque, qu'au début de son règne, d'ailleurs, Selim III n'est pas un réformateur. Face aux, aux difficultés qui se présentent, il essaie d'user de toutes les techniques de résolution classiques, entre guillemets, avant de se rendre compte que cela ne fonctionne plus, et, et de se décider à utiliser les méthodes nouvelles. En fait, on peut dire presque finalement que Selim III est un réformateur, mais, mais malgré lui. Donc Sélim euh, III va progressivement regarder vers l'Europe et plus spécifiquement vers la France. Pour rappel, donc, le, le, le règne de Sélim III débute en 1789, donc à, à, à l'époque la France, c'est ce qu'on pourrait appeler une figure euh, turbulente hein, à l'époque. Euh, dans cette euh, fin de XVIIIe siècle, donc dans l'Empire ottoman, la France rebute et fascine. Les, les dirigeants ottomans voient d'un mauvais œil, euh, tout de même notre révolution qui se fait contre la religion, mais en même temps sont véritablement intrigués par notre pays. Et Selim III va entamer une phase d'importation dans l'Empire du modèle révolutionnaire français, mais sous une forme qu'on pourrait appeler conservatrice. Comme le dit Armin Bozarslan dans son ouvrage Histoire de la Turquie, ceci c'est fondamental, hein, car cette première phase de réforme entreprise par Selim III est un tournant dans l'histoire ottomane. Toute la suite en découle. Le XIXe siècle ottoman sera marqué par les réformes, et si je puis dire, c'est la première des étapes euh, qui... C'est la première étape étapes qui ont rendu possible un siècle plus tard l'arrivée de, de Kemal, Mustafa Kemal Atatürk. Les premières réformes sont des rationalisations de l'administration ottomane et touchent particulièrement l'armée. Signe que l'empire n'est pas encore prêt à se réformer véritablement. Seine III est assassiné d'ailleurs en 1807 suite à une révolte euh, des Janissaires. Le sultan euh, Mahmud II, qui prend ses fonctions donc euh, en, en 1808, a compris la leçon. En 1826. Il fait dissoudre le corps des janissaires et fait traquer ses membres. Les anciens janissaires sont pour la plupart massacrés. C'est un tournant dans l'histoire ottomane car la menace des janissaires étant désormais écartée, les réformes en profondeur vont pouvoir commencer. Dans cette lancée, le, le, le gouvernement ottoman s'attaque à la confrérie religieuse des Bektache liée aux janissaires. Les, les biens de la confrérie sont confisqués. Marmoud II, en saisissant les biens des janissaires et des vont, vont, euh, enfin va pouvoir financer ses réformes. Finalement, d'ailleurs, euh, on va dire, dans, dans... lorsque Marmoud dissout euh, finalement les janissaires, donc la confrérie des bektaché il y a quelque chose de très euh, bûcher des Templiers. Hein. C'est-à-dire qu'en euh, en, en traquant euh, les Templiers, en, en rédigeant un néant l'ordre, en confisquant leurs biens, en fait, euh, le Philippe, euh, Philippe le Bel va être totalement indépendant vis-à-vis euh, -vis de cette puissance, de cet état dans l'État que pouvaient être les Templiers. Bon, bah, là, on a un peu la même chose hein, avec Mahmoud II euh, et, les, et les Janisséens. Mahmoud II, d'ailleurs, je précise pour la petite histoire, euh, on pense qu'il serait le, le, le fils d'Aimé de, de Rivéry, la cousine de Joséphine de Beauharnais. Euh, cette dernière aurait été enlevée par des pirates lors d'un voyage en mer puis, puis vendue. Euh, elle aurait fini au harem du sultan, elle lui aurait donné un fils, devenant ainsi la, la valide sultane, la mère de l'héritier. Elle est connue, cette femme, elle est connue sous le nom de Narchidil Sultan, et c'est controversé, hein. certains disent que c'est un mythe, euh, d'autres que c'est véridique, je vous laisse choisir. Le nizam i l'ordre nouveau, se met véritablement en place donc sous Mahmoud II. Ce sultan est même le précurseur d'un mouvement de réforme plus grand encore, les Tanzimat, les Tanzimat c'est les réorganisations. Les Tanzimat ont été réalisés par des hommes qui sont le fruit du nizam i le nouvel ordre, et l'objectif de ces derniers est de pousser encore plus loin celui-ci. L'une des grandes figures des Tanzimats est le grand vizir Mustafa Rishid Pacha, qui, avec le sultan Mahmoud II, avait préparé la première réforme qui ouvrit la période des Tanzimats. Cette réforme fut proclamée le 3 novembre 1839 sous le règne du fils de Mahmoud II, Abdulmejid I. Avec cette réforme, l'Empire proclame l'égalité de tous ses sujets, impose une conscription universelle, annonce une, une réforme de l'enseignement, du système fiscal, ainsi qu'une lutte contre la corruption. Une autre réforme majeure, celle du 25 février 1856, elle, elle est révolutionnaire car elle établit une, une égalité interconfessionnelle. Elle instaure la liberté de culte. Elle met en place des tribunaux mixtes. Enfin, on peut parler aussi de la réforme de 1858 qui instaure le, le droit de disposer d'un titre de propriété sur la terre. L'apogée la fin des temps d'immat, de c'est 1876. Cette année, l'Empire se donne une constitution, la Constitution ottomane. Des élections parlementaires sont organisées, et cela aboutit à la formation d'une assemblée des députés en, 1879, en 1877, euh, musulmans et, et non musulmans y siègent. Et d'ailleurs, à cette époque, euh, dans ce grand mouvement donc des, des Tanzimats, euh, les, les mots d'or, c'est liberté, égalité, fraternité euh, à la française. Les, les Tanzimats sont vraiment ce que l'on peut appeler un processus d'occidentalisation. Pour se réformer, l'Empire se tourne vers l'Ouest et plus particulièrement vers la France notre pays est vraiment le modèle à suivre hein, à l'époque, euh, et importer importé dans l'Empire un style nouveau, même dit euh, à la flanga, en opposition au style traditionnel dit à la turca, donc à la turque. À, à Constantinople, on se met à l'heure européenne, et plus particulièrement donc à l'heure française. Nous avions dans la première partie parlé des styles, euh, donc de, de, de la culture en Europe et dans l'Empire, et bien dans quasiment tous les domaines artistiques, les ottomans à cette époque copient les Européens. Les mosquées et palais ottomans à Constantinople sont réalisés dans un style baroque ou rococo. Cela donne d'ailleurs un résultat assez surprenant. Le style gothique même est copié. Et donc On se retrouve alors avec des motifs gothiques ottomans euh, entre guillemets, dans l'architecture. C'est euh, notamment le cas du palais de Chiran, Chiran Saraye, sur les bords du Bosphore à Istanbul. Le sultan va déménager. Il quitte le palais de Topkape et se fait construire une toute nouvelle résidence euh, clairement copiée encore une fois sur les palais européens. Dolmabahçe Sarai, le palais de D'ailleurs, euh, notons que ces deux fameux palais d'Istanbul, Chiran et Dolmabahçe, furent réalisés par deux grands architectes arméniens, le père et le fils Galabet et Nigoyos Balian. Les Balian, euh, c'est une grande famille d'architectes qui ont réalisé de magnifiques édifices à la fin de l'Empire. Une autre de leurs œuvres, le palais de Belarbeye, euh, toujours sur les rives du Bosphore, est réalisé euh, donc par Galabet et, et un autre fils, Sarkis. Il y a un, un, un bouillonnement culturel euh, à cette période. Euh, cependant, euh, comme vous l'avez compris, et c'est flagrant lorsqu'on visite ces, mon ces monuments. D'ailleurs, à partez, si vous visitez euh, un jour le palais de Dolmabaché, vous pourrez voir les, les carnets du sultan écrits en français. Car à cette époque, le sultan parle et, les sultans parlent et écrivent le français. Euh... Concernant les, les rapports euh, donc conflictuels euh, entre l'Europe et, et l'Empire, on avait déjà pu en parler euh, durant la, 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 la première partie. Là, il y a véritablement une fascination de l'Empire Ottoman pour l'Europe et une fascination réciproque hein, à l'image de la création en, de, en 1872 de l'entreprise de la Compagnie internationale des wagons-lits. Euh, alors, petite dédicace à vous, monsieur, compagnie créée par un Belge, euh, Georges Nagelmakers. Euh, la compagnie qui mit sur les, les rails en 1883, euh, alors nous ne sommes plus durant les temps de Zimat, mais il y a toujours une, une dynamique. Euh, C'est cette compagnie qui mit sur les rails en 1883 l'Orient Express. Euh, le fameux. Euh, C'est mythique, hein, l'orient Express. Hein, juste le nom, d'ailleurs, ça déjà ça, ça ça invite au voyage. Et pour accueillir les voyageurs européens euh, de l'orient Express, euh, va être construit le fameux Pera Palace dans le quartier de Pera, non loin de, de Galata euh, à Istanbul. Les artistes de l'époque sont fascinés par cette atmosphère. Cela aboutira d'ailleurs à la naissance du style néo-byzantin. Euh, les architectes désormais imprégnés suite à la, décou à la redécouverte de l'art et des proportions byzantines grâce à l'Orient Express, euh, les, les emmène de Constantinople jusqu'à chez nous, les ramène chez nous. Cela a notamment donné euh, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon, euh, Notre-Dame de la Garde à Marseille, ou plus tardivement la basilique euh, Sainte-Thérèse de Lisieux euh, à Lisieux. Il y a également une volonté dans la classe dirigeante de s'instruire sur la période pré-islamique. Hamid euh, Bozarslan euh, écrit dans son ouvrage donc, Histoire de la Turquie, je cite, une partie importante des responsables ottomans, comme Akif Pacha, se mettait personnellement à étudier l'histoire grecque et romaine, sans doute afin d'en tirer des leçons pour comprendre leur propre évolution historique. Finalement les, les Tanzimat pour résumer et pour faire simple, euh, qu'est-ce donc L'objectif des Tanzimat euh, face à la montée des nationalismes qui entraînent l'empire vers l'abîme, l'objectif c'est la préservation de l'état face à la révolution nationaliste qui guette. Et pour ce faire, cela passe par une occidentalisation des institutions. Tout à fait paradoxal, d'ailleurs, l'historien turc Hilbert Horthayle, le, c'est un peu le Stéphane Bern ou le Frank Ferrand turc, écrit, je, je cite, « Un empire qui n'a pas connu de révolution et qui se prémunit contre elle n'hésite pas à adopter des institutions de la France républicaine. Enfin, » de la citation. Cependant, il faut relativiser tout de même cette occidentalisation, car, cette occidentalisation, car elle touche principalement l'élite ottomane. Et surtout Constantinople. Euh, le peuple euh, voit pour certains d'un mauvais œil ce, ce, ce mouvement. À cela, il faut ajouter un contexte particulier les différents conflits avec la Russie, les mouvements d'indépendance dans les pays des Balkans, soutenus par les Européens et les Russes, le fait que les puissances européennes, notamment la France, se posent en défenseur des minorités chrétiennes de l'Empire, etc. Les, les communautés chrétiennes de l'Empire ont véritablement été instrumentalisées à l'époque pour déstabiliser l'Empire. Tout cela va progressivement jeter la suspicion sur les chrétiens de l'Empire. Cela progressivement fait germer l'idée, euh, en plus dans un contexte de montée des nationalismes qui travaillaient également les communautés musulmanes, nous allons le voir, cela fait germer l'idée que les chrétiens de l'Empire étaient des agents de l'étranger, des éléments perturbateurs, empêchant une cohésion et la formation d'un véritable groupe, d'une véritable communauté nationale. Cela aura des conséquences véritablement tragiques, hein, nous le verrons. Pour illustrer le ressentiment grandissant euh, d'une population musulmane qui se considère comme étant de plus en plus mise à l'écart, euh, et se fait de plus en plus antichrétienne. On peut citer Jeff Pacha qui déclare en 1856, je cite, La majorité du peuple de l'islam a commencé à murmurer Nous avons désormais perdu notre droit sacré national gagné au prix du sang de nos ancêtres. Alors que la nation de l'islam était la nation dominante, elle est maintenant privée de ce droit sacré. Fin de la citation. Ou encore Zia Pacha qui déclare en 1866, je cite, Le millet musulman a jusqu'à présent fait montre de patience. Ce sont les musulmans qui, au prix de leur sang, ont conquis les pays du gouvernement ottoman. Ce sont eux qui ont installé la dynastie sublime des Ottomans sur le trône et l'y ont protégée jusqu'à nos jours par la force de leur épée. Mais ce sont aussi ces 20 millions de musulmans qui supportent tant d'abaissements et d'humiliations pour garantir la tranquillité de 11 millions de chrétiens de toute confession, qui leur sont inférieurs démographiquement, mais aussi de tout point de vue. Fin de la citation. Dans le discours... Vous remplacez les musulmans par les turcs et vous avez ce qui deviendra le discours de l'ébauche euh, du, du nationalisme turc sous les jeunes turcs. La dynamique des Tanzimat va cependant être freinée par le règne d'Abdul d'Abdulhamid II. Son règne se veut être l'antithèse des, des Tanzimat. Il rééquilibre l'occidentalisation par une réislamisation il réancre l'empire dans un socle ottoman et islamique. On pourrait dire, pour, pour le définir, qu'Abdulhamid est un contre-révolutionnaire. D'ailleurs, Erdogan aime la figure de ce sultan, nous y reviendrons. Cependant, sous son règne, l'occidentalisation n'est pas stoppée, elle est freinée. Le sultan parle français, mais il se méfie de tout ce qui vient de notre pays. Sous son règne, on pratique des autodafets d'ouvrages euh, jugés dangereux il y a un comité de la censure. En 1878, le sultan avait dissous le Parlement. Sous son règne, vont être formées les cavaleries dites amidier, des cavaleries constituées de cavaliers kurdes vont persécuter et massacrer des Arméniens, c'est les massacres dits amidiens. Il s'agit de la première série de massacres de grande ampleur perpétrés contre les Arméniens de l'Empire. Ces massacres lui vaudront chez nous le surnom de Sultan Rouge. On, on prête ces propos au Sultan Abdul Hamid, ma source c'est la Turquie nouveau califat d'Ardavan Amir Aslani, je cite, la période où nous collions à notre chair ceux qui étaient d'une autre religion, comme on agrège des viandes hachées entre elles, est finie. Nous ne pouvons accepter dans les frontières de notre État que ceux qui sont de notre nation, ceux qui partagent les mêmes croyances religieuses que nous. Fin de la citation. La suite des événements est déjà esquissée, en fait, hein, par le sultan. Il faut souligner encore que cette montée des nationalismes travaille donc aussi la communauté musulmane. En, en voyant les différents pays des Balkans prendre leur indépendance et se constituer en nation, cette communauté musulmane d'Anatolie est poussée en miroir à s'interroger sur elle même. Puisqu'ils ne sont pas nous, alors nous, finalement, qui sommes-nous En 1908, le mouvement des jeunes turcs prend le pouvoir. Le sultan euh, Hamid II est déposé et le parlement ottoman est réformé. Est, est reformé. C'est la révolution, euh, c'est révolu ce qu'on appelle la révolution jeune turque. Cette révolution jeune turque est le résultat d'une insurrection militaire partie de Macédoine. En 1913, les jeunes turcs prennent véritablement le pouvoir. Le sultan ne fait plus que de la figuration, en fait. L'Empire est désormais, est désormais dirigé par un triumvirat, Talat Pacha, Enver Pacha et Djemal Pacha. Alors, les jeunes turcs, en fait, qui sont? Ce sont ce qu'on pourrait appeler des libéraux, ce sont des étudiants, des officiers dans l'armée ottomane, et également des francs-maçons. En, en majorité, ils viennent des Balkans. Pour la plupart, ils ont fait leurs études en France. Et c'est dans nos écoles qu'ils ont été formés à l'idéologie nationaliste. Après leurs études chez nous, à leur retour dans l'Empire, ils, euh, ils vont vouloir appliquer en fait, à la société ottomane leur vision nationaliste. Et comme ils ont été formés dans les écoles françaises, le mouvement Jeune Turc, en langue turque, se dit Jeune Turc, à la française. Tout comme les, les hommes des Tanzimat étaient le fruit de la période du Nizam Idjedid, les, les Jeunes Turcs sont le fruit de l'ère des Tanzimat. C'est véritablement la, la suite logique en fait, des événements. L'objectif des jeunes turcs, euh, c'est la conservation de l'État face au, au délitement de l'Empire. Cependant, ils veulent clairement instaurer un ordre nouveau et leur modèle, c'est la Révolution française. Il y a une fascination pour la Révolution française chez les jeunes turcs. À ce sujet, est-il possible d'appliquer notre grille de lecture, notre clivage gauche-droite à propos des jeunes turcs Est-ce qu'il est possible de dire, comme vous avez dit, que le sultan Abdul Hamid était un contre-révolutionnaire en quelque sorte Est-ce que ce... <coughs> est -ce que ce serait complètement. Euh, hors de propos de, de définir Hamid comme étant un dirigeant de droite et de définir les jeunes turcs comme étant un mouvement de gauche révolutionnaire ou euh, vraiment ça ne s'applique absolument pas à cette, euh, à cette situation politique non c'est pas euh, c'est pas son fondement hein, c'est pas son fondement après euh, voilà faut bien définir ce qu'on nomme la, la droite et la gauche si on entend la droite dans le sens euh, on va dire du peut-être du respect des anciens euh, de l'inscription dans la tradition dans la longue durée, euh, oui, alors dans ce cas-là, le, le sultan Hamid peut être qualifié de dirigeant de droite. si on entend euh, la gauche comme étant la révolution perpétuelle, on va dire cette, euh, cette, euh, cette marche toujours euh, forcée vers l'avant, en fait, euh, cette révolution constante, cette tabula rasa, la table rase du passé, euh, la création même d'un homme nouveau, en fait, alors oui, les jeunes turcs peuvent être qualifiés de, de mouvement de gauche, même si, évidemment, c'est loin, euh, c'est loin de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la gauche. Hein. Mais euh, oui, on peut, on peut appliquer quand même tout de même cette grille de lecture, on va dire, euh, à Abdoulhamid le contre-révolutionnaire et, au, et aux jeunes turcs révolutionnaires. Je, oui, oui, je, je, je valide, on va dire que je valide cette, cette lecture. Même s'il faut quand même apporter de la nuance et euh, faut pas fa voilà, faire un copier-coller de ce qu'on peut appeler la gauche et la droite aujourd'hui. Hein. Euh, alors oui, y a, y a il y a vraiment une fascination hein, pour la révolution française de la part des jeunes turcs. Et euh, encore une fois, on, on mesure mal en fait, l'impact qu'a pu avoir cette révolution dans le monde au XIXe siècle, et ce fut une déflagration pour nous, mais aussi pour les autres, en fait. Et ça, il faut, faut véritablement en avoir conscience, hein, pour eux, et évidemment, pour euh, tout ce qui est monté des nationalismes. Donc leur parti, c'est le. Je vais m'attarder un peu sur leur parti. Leur parti, c'est le CUP, euh, Comité Union et Progrès. Donc en fait, les, les jeunes turcs, ils veulent moderniser et séculariser l'Empire. Mais cela passe paradoxalement par une, par une islamisation de celui-ci, dans le sens où, on, où la base retenue pour former le nouveau noyau dur de cet empire, le socle, afin de le stabiliser dans sa chute, euh, cela va être la communauté musulmane. Toujours dans une dynamique que nous avons abordée un peu avant, les chrétiens sont perçus à tort ou à raison aussi parfois, il faut le souligner, désormais comme des agents de l'étranger. Ces populations chrétiennes dans les Balkans, mais aussi en, en, en Anatolie, ont été instrumentalisées par l'Europe. Mais aussi beaucoup par la Russie afin de déstabiliser l'Empire ou d'avoir un moyen de pression sur lui. À la fin de l'Empire, l'ingérence européenne est totale au sein de celui-ci, et les communautés chrétiennes ont parfois pu être euh, donc utilisées hein, comme relais. À cela rajoutons les différents mouvements d'indépendance et l'expansionnisme de la toute nouvelle Grèce. Il y a une méfiance désormais envers les chrétiens de l'Empire. La nouvelle idéologie nationaliste persuadait désormais ces communautés qu'elles ne pouvaient plus vivre ensemble. L'un des penseurs de cette idéologie jeune turque, l'un des pères du nationalisme turc naissant, c'est Ziya Gökalp. C'est un Kurde formé à Diyarbakir dans le sud-est de l'Anatolie. C'est un écrivain, euh, poète et sociologue turc. Il se disait être l'élève euh, d'Émile Durkheim. Euh, Zia Gökalp, il va poser les bases moderniser, islamiser, turquiser. Cela annonce toute la suite. Le processus d'islamisation qui amène en fait la turquisation atteindra un niveau sans précédent. Avant l'entrée de l'Empire dans la Première Guerre mondiale, on compte environ 30% de chrétiens dans la zone de ce qui est aujourd'hui l'actuelle Turquie. Après la guerre et suite à la naissance de la nation turque, ce chiffre tombera à 1 ou 2%. Zia Gökalp est aussi le père de la pensée touranienne, euh, qui vise à une union de tous les peuples turcophones. Il faut différencier le pantouranisme du panturkisme. D'ailleurs, la confusion est, est souvent faite, mais ce n'est pas la même chose. Le, le pantouranisme, c'est l'union des peuples turcophones. Le pan-turquisme, c'est l'union des peuples turcophones musulmans. Il y a une dimension islamique dans cette dernière qu'il n'y a pas dans la première. En 1914, l'Empire entre dans la Première Guerre mondiale aux côtés de, de l'Allemagne et de l'Autriche, euh, de l'Autriche-Hongrie. C'est la dernière épreuve, le dernier test pour l'Empire. On peut dire que ça passe ou ça casse, entre guillemets, et, et ça a cassé. Euh, la Première Guerre mondiale aurait pu peut-être ressouder les Ottomans dans une lutte commune. Euh, ce ne fut euh, absolument pas le cas, au contraire, cela précipite le délitement de l'Empire. D'ailleurs, dans cette alliance, euh, l'Allemagne va être euh, pyromane, si je puis dire. Elle va galvaniser ce bouillonnement islamique pour s'en servir dans son intérêt. Le Kaiser Guillaume II déclare en, en tournée dans l'Empire qu'il aurait aimé être musulman. Il pousse le sultan Mehmed V à appeler au djihad contre les, les troupes françaises et anglaises au Moyen-Orient. Et nous allons en reparler. Euh, des officiers allemands présents en Anatolie... Pour former ou diriger les troupes ottomanes, ont parfois participé activement au génocide des Arméniens. L'Allemagne avait des intérêts, évidemment, dans cette région. Euh, déjà à l'époque, on a entendu parler de, ce, de cet or noir qui jaillirait du sous-sol irakien. Euh, il y a un projet euh, promu par l'Allemagne, la ligne de chemin de fer BBB, euh, Berlin, Byzance, Bagdad. L'objectif est notamment de, de doubler les Britanniques euh, dans la région. Pour la construction de cette ligne, de, de nombreux Arméniens y laisseront la vie euh, en relais de force lors du génocide. Et une fois la ligne en état, le train servira euh, à la déportation des populations arméniennes. Petite question euh, vous avez dit que l'Empire ottoman à cette époque était fasciné par, euh, enfin, fasciné euh, avec une étrange fascination pour euh, la France. Pourquoi l'Empire s'est-il rangé du côté de, de l'Allemagne et de l'Autriche en ce cas Alors, il si, y, y, euh, y a plusieurs causes. Enfin, il y a plusieurs, plusieurs raisons. Euh, déjà, ça faisait un petit moment que l'Allemagne euh, entre guillemets faisait de la drague à l'Empire. Euh, D'ailleurs, euh, en parlant de, de ces relations Allemagne-Allemagne-empire euh, ottoman, euh, si un jour vous allez à Istanbul et que vous allez devant la mosquée Sultan Ahmed, Sultan Ahmed Jami, euh, juste devant, vous verrez la fontaine euh, allemande. Euh, et en fait, la fontaine allemande. C'est une fontaine aux, aux ablutions qui a été offerte par le Kaiser Guillaume II euh, à l'Empire Ottoman. Et donc il y a déjà des liens qui sont tissés euh, petit à petit entre l'Allemagne et l'Empire Ottoman. Mais ce qui va vraiment faire basculer l'Empire Ottoman aux côtés de l'Allemagne, c'est euh, un cadeau qui va être fait euh, par, les, par les Allemands euh, aux Ottomans. C'est deux navires, le Goeben et le Breslau. Et donc c'est deux navires euh, allemands qui ont été offerts euh, par l'Allemagne, par le Kaiser euh, à l'Empire Ottoman. Et euh, ça, ça a précipité en fait, voilà, le, donc ça a précipité l'empire ottoman véritablement dans les bras de l'Allemagne pour euh, pour cette entrée dans la guerre mondiale. Et le, le Gebben a ensuite été euh, rebaptisé le euh, Yavuz Selim. Euh, donc là, durant la République euh, la République de Turquie, euh, donc il a été encore utilisé un petit moment. Et d'ailleurs, il a été utilisé aussi pour transporter les dépouilles turc euh, à sa mort. Et euh, si un jour vous allez visiter le musée de la marine euh, à Beşiktaş, donc, juste sur les bords du, du Bosphore, il y a un très beau musée de la marine, Denis Musée C, et vous verrez notamment euh, des objets, euh, des artefacts euh, qui, euh, qui étaient sur ces navires. Euh, voilà. il, y a, il y a encore une, 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 on va dire une mémoire en fait de ces deux navires euh, qui ont fait entrer en fait l'Empire Ottoman en guerre avec l'Allemagne, enfin, aux côtés de l'Allemagne. Maintenant, euh, donc quelques mots sur le, sur, le génocide, euh, sur le génocide arménien, évidemment, on va parler du, du grand drame, le, le grand crime par, euh, commis par le gouvernement jeune turc. Alors je précise qu'il ne s'agit pas exclusivement d'un génocide arménien, mais en fait chrétien. C'est un génocide chrétien d'une manière générale. Euh, de nombreux orthodoxes grecs ainsi que des Assyro-Caldéens ont été massacrés. Mais il y avait tout de même une majorité d'Arméniens qui, euh, qui ont été exterminés. Donc le, le terme retenu est celui de génocide arménien. Mais c'est en fait, donc je, je le précise encore une fois, un génocide chrétien. Il faut vraiment avoir ça, avoir ça en tête pour comprendre le, le phénomène. Le, mode, le moteur de cette volonté génocidaire est, est éminemment religieux, hein, c'est pour cela. Hein. Il y a un darwinisme social dans la logique jeune turque et on peut donner l'exemple du docteur Rechid, euh, membre du comité, qui considère par exemple que les Arméniens seraient des microbes euh, menaçant la nation turque, considérée en fait comme un corps organique. Alors le génocide débute en avril 1915, et se termine environ vers juillet 1916. D'abord ce sont les élites arméniennes qui sont massacrées, puis les hommes adultes en âge de se défendre. Et enfin les femmes et les enfants et, et les personnes âgées. Les hommes adultes seront pour la plupart soumis à des travaux forcés qui entraîneront la mort ou seront aussi exécutés sur place. Les femmes et les enfants seront exterminés sur place parfois et, ou déportés dans les déserts de Syrie et d'Irak et notamment dans le camp de concentration de Delezor parfois sur la route de la déportation ils furent aussi euh, raflés par des tribus euh, kurdes nomades soit ces kurdes euh, en fait gardaient les femmes arméniennes pour eux soit également ils les vendaient sur les marchés aux esclaves. au génocide organisé par le gouvernement jeune turc et perpétré par l'armée il faut ajouter une, une participation des populations présentes dans les lieux des massacres. cela s'explique pour plusieurs raisons religieuses euh, ou parfois par jalousie ou, et à pas du gain. Les Arméniens avaient la réputation d'être riches ou tout simplement euh, aussi pour parfois pour voler la maison du voisin, euh, posséder euh, l'épouse arménienne du voisin, euh, prendre ses terres. Euh, finalement, dans, dans les raisons du massacre, il y a de grandes similitudes à établir entre ce génocide et, et la Shoah. Euh, dans ce génocide, il faut euh, aussi parler de, de deux acteurs qui ont, été, euh, qui ont été souvent oubliés, donc les Kurdes, qui ont activement participé au massacre des populations arméniennes. Notamment afin de prendre leurs terres pour pouvoir légitimer leurs revendications de création d'un Kurdistan. Et aussi l'Allemagne. L'allié de l'Empire ottoman, pendant le conflit, avait de nombreux diplomates et officiers dans l'Empire pour aider l'armée ottomane. Certains ont joué un rôle très trouble, voire ont parfois directement participé à des massacres. Certains, en connivence idéologique avec les jeunes turcs, voyaient, je cite, une réaction naturelle au système parasite de la classe d'affaires arménienne. Fin de la citation. Les, les Arméniens étaient même qualifiés par ces derniers de, entre guillemets, juifs d'Orient. Alors ma source, euh, pour ces citations, c'est euh, Turquie nouveau califat d'Amir Arvan Aslani. Ces officiels allemands reviendront euh, ensuite dans leur pays euh, avec des idées voilà, ou, qui, annoncent, qui annoncent la suite. Totalement, on estime à environ euh, 1,5 million le nombre de victimes du génocide. Alors je conseille sur ce sujet la lecture de l'ouvrage euh, intitulé Le génocide des Arméniens de Raymond euh, Kevorkian qui est euh, au moins en France le spécialiste sur ce sujet. Pour ce génocide, il y a un parallèle euh, à faire avec l'enseignement euh, de René Girard. Ce génocide, c'est véritablement le, le sacrifice originel, c'est le meurtre fondateur de la nation turque. Tout comme la nation française s'est faite dans le sang des aristocrates et des vendéens, la nation turque s'est faite dans le sang des arméniens. C'était euh, l'idée de l'époque, pour que la nation puisse exister, les Arméniens devaient être retirés de l'équation. Ensuite, l'Empire perd la guerre, tout comme euh, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. En 1918 euh, est signé l'armistice de Mudros qui euh, acte la défaite. Suite à la défaite euh, vient le traité de Sèvres, conclu le 10 août dans la manufacture de, Cerve, de Sèvres, en périphérie de, de Paris. C'est une défaite totale hein, pour l'Empire, l'Empire est réduit à, à un bout de l'Anatolie. Euh, avec ce traité naissent une grande Arménie, un Kurdistan pente. La côte Égène revient en partie à la Grèce et toute une partie de l'Anatolie est placée sous influence française, britannique et italienne. Euh, cependant, l'Empire existe toujours. Alors, c'est un affront. Hein, ce traité euh, peut être comparé chez nous au honteux traité de Troyes, tel qu'il est, euh, qu est appelé. Là, c'est le, le honteux traité de Sèvres. Oui, c'est un peu l'équivalent euh, de ce qu'a qu subi la Hongrie également avec le traité de Trianon. Oui, c'est une, une humiliation en fait, et c'est véritablement perçu, euh, perçu comme tel. Et donc il va y avoir évidemment une, une, animosité, euh, une animosité derrière. Certains aussi le, le comparent parfois au, au, traité de, au traité de Versailles, euh, qui impose de lourdes sanctions euh, à l'Allemagne. Euh, oui, il peut y avoir en effet. Euh, oui, euh, on est un peu dans la même dynamique. Hein, il peut y avoir un parallèle établi. Euh, euh, alors face à cette débâcle, un, un homme a dit non. C'est Mustafa Kemal qui n'est pas encore Atatürk. Il refuse la défaite. Il soulève le peuple du centre de l'Anatolie en s'appuyant notamment sur la frange religieuse. Il utilise l'islam comme moyen de cohésion. En fait, début d'une guerre de trois ans, 1919-1922. Euh, la Kurt Kurtuluş savache, c'est-à-dire la guerre de, de libération, la guerre d'indépendance. Car il faut avoir quelque chose à, à l'esprit, c'est qu'il s'agit là d'une guerre d'indépendance. À l'époque, ceux qui vont devenir bientôt les Turcs pensent prendre leur indépendance de l'Empire ottoman. C'est fondamental hein, pour comprendre la suite. La, la logique est celle-ci la communauté musulmane sunnite de l'Anatolie souhaite se libérer de cet empire responsable de la faillite. Kemal pense que cette communauté, cette communauté qu'il pense comme étant turque dans sa vision nationaliste, a trop longtemps été soumise à cet empire, cet empire qui l'a méprisé et qui, en le reléguant aux oubliettes, aurait gâché son potentiel. Kemal souhaite libérer les Turcs de cet empire qui donc de facto n'était pas turc, comme nous avons pu en, en, en parler. Une nouvelle fois, cette population du centre de l'Anatolie, après s'être rebellée et convertie à l'islam pour se détourner de l'empereur byzantin, après s'être rebellée et avoir failli se convertir au schisme pour s'émanciper de l'empire ottoman, se soulève à nouveau, encore une fois, face au pouvoir central. Dans l'histoire, il y a des grandes constantes et encore une fois, comme vous l'avez dit tout au début, le temps long. Cette guerre d'indépendance se fait contre l'empire ottoman. Contre les forces arméniennes de l'est de l'Anatolie, contre les Français et les Britanniques, et enfin contre les Grecs. Car les Grecs ont profité de la déroute de l'Empire pour envahir l'Anatolie. Ils, ils sont même aux portes d'Ankara. Donc ils sont vraiment entrés à l'intérieur des terres. Les Grecs nationaux de l'époque ont un projet qui se nomme la Mégalidea, la Grande Idée. C'est un irrédentisme grec. L'objectif est d'aboutir à, à une Grande Grèce qui serait, selon eux, la vraie Grèce. Une Grèce qui réunirait tous les Grecs au sein d'un même État-nation et qui aurait pour capitale Constantinople. Ils, ils vont échouer. Kemal, grand chef militaire, déjà héros de la bataille des Dardanelles, bataille où les troupes ottomanes avaient empêché le débarquement des troupes françaises et britanniques, gagne sur tous les fronts. C'est fulgurant, c'est assez exceptionnel d'ailleurs. Les Français et les Britanniques quittent assez rapidement les lieux. L'as de la guerre, on est quand même à la sortie de la Première Guerre mondiale, donc ils n'ont pas envie de se réengager dans une guerre. Euh, les Français, finalement, euh, espérant avoir un, un retour sur investissement, même euh, livrent des armes à Kemal. Mais le plus gros soutien des Kemalistes fut l'URSS. À l'époque, euh, Lénine, qui s'était tourné vers les populations musulmanes afin de les mobiliser contre l'impérialisme occidental, livre des armes et de l'or à Kemal. Euh, ce que l'on nomme aujourd'hui l'islamo-gauchisme, hein, ça, ça ne date pas d'hier. Et euh, in fine, les Russes et Kemal se sont partagés ce qu'il restait de l'Arménie. En septembre 1922, les troupes kémalistes entrent dans Smyrne, l'actuelle Izmir. Il y a un massacre des populations grecques et arméniennes et la ville est incendiée. C'est euh, le grand incendie de Smyrne. L'envahisseur grec a totalement été repoussé et, et Kemal est vainqueur. Le 23 avril 1920, une grande assemblée nationale de Turquie s'est formée en Kara. Kemal en devient le président. Le 1er novembre 1922, l'assemblée nationale vote l'abolition du sultanat. Le dernier sultan ottoman fut Mehmet VI. Et il avait fui à bord d'un cuirassier britannique. Le 24 avril 1923 est signé avec les Alliés le traité de Lausanne, qui annule et remplace celui de Sèvres. Ce traité reconnaît la Turquie dans ses frontières actuelles, à l'exception du Sanjak d'Alexandrette euh, Iskenderun en turc. Iskender, ça veut dire Alexandre. Iskenderun, euh, c'est Alexandrette, la ville qui avait été fondée par Alexandre le Grand. Ce Sanjak d'Alexandret, qui inclut également la ville d'Antakya, Antioche, et cédée par la France à la Turquie en 1939, la Syrie était alors euh, sous mandat français. Le 29 octobre 1923 fut proclamée la République de Turquie par le Parlement et Mustafa Kemal est élu président. C'est la naissance euh, de la nation turque. Donc nous avons fêté euh, il y a une semaine les 100 ans, euh, les 100 ans de, cette, de cette nation turque. Le 3 mars 1924 est aboli le califat. Le dernier calife fut Abdul Mejid II, qui vécut à la fin de sa vie dans le 16e arrondissement de Paris. Le dernier calife est différent du dernier sultan, alors que normalement il aurait dû s'agir de la même personne. Le sultan ottoman était le calife, car Abdul Mejid II avait été élu calife par la Grande Assemblée nationale en 1922, suite à la déposition de son cousin Mehmet VI. En 1923 a lieu le grand échange de population euh, demandé par la, la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Il faut souligner que cet échange de population ne retient pas euh, un critère ethnique mais religieux. Les chrétiens d'Anatolie doivent quitter leur terre pour la Grèce et les musulmans de Grèce doivent quitter leur terre pour la Turquie. Une exception est formulée pour les chrétiens d'Istanbul et les musulmans de Thrace. Il faut comprendre qu'ici on parle de populations qui avaient toujours habité ces terrains. Il s'agissait de populations locales qui soit avaient adopté l'islam, soit avaient conservé leur foi chrétienne. Et c'est là le drame, c'est le déracinement de ces populations chrétiennes ou musulmanes. Ils ont dû partir pour des terres qu'ils ne connaissaient absolument pas et que leurs ancêtres n'avaient pas connues non plus. D'ailleurs, l'article qui prévoit cet échange, en retenant la nationalité effective de ces personnes au moment du transfert, permet de souligner cet ancrage à la terre à laquelle ils ont été arrachés. Je cite. Il sera procédé dès le 1er mai 1923 à l'échange obligatoire des, des ressortissants turcs de religion grecque orthodoxe établis sur les territoires turcs et des ressortissants grecs de religion musulmane établis sur les territoires grecs. Fin de la citation. Pour éviter de devoir quitter leurs terres, des populations entières vont se convertir à l'islam. C'est notamment le cas de la région de la mer Noire autour de Trabzon une région où les personnes étaient encore chrétiennes jusqu'en jusqu 1923. Et ces gens ont adopté l'islam là très récemment, au début du XXe siècle, pour éviter ce transfert. Et très paradoxalement, mais en fait, en fait très logiquement, cette région de la mer Noire, où pourtant dans certains villages on parle encore le grec, est la zone la plus conservatrice de Turquie et l'endroit peut-être où les gens sont les plus persuadés d'être des descendants de Mongols. Cette région est, est un réservoir, de voix pour l'AKP, le parti d'Erdogan, euh, car évidemment, les nouveaux convertis euh, sont toujours ceux qui font le plus de zèle, euh, plus royalistes que le roi. On estime aujourd'hui qu'en Grèce, un grec sur cinq serait ori originaire de Turquie, et concernant les Arméniens, la très grande majorité des Arméniens viennent ou ont une partie de leur famille qui vient à l'origine de Turquie. Depuis chez nous, on a du mal à se rendre compte à quel point ces histoires sont entremêlées, mais pourtant c'est le cas. On ne se rend pas compte. Euh, car nous réfléchissons en blocs nationaux euh, bien distincts, nous réfléchissons de manière euh, anachronique, comme si une frontière euh, imperméable avait toujours séparé ces peuples. Les Turcs, les Grecs, les Arméniens, ces euh, nations actuelles qui en fait euh, auraient, auraient dû n'en former qu'une seule. Mais l'histoire fut autre. Mustafa Kemal, qui va devenir Atatürk le père des Turcs, car il est en fait le, le père de la Turquie, celui qui a fait naître la nation turque et l'identité turque, il est le père des Turcs. Euh, donc dans le sens chronologique, le premier des Turcs. D'ailleurs, Benoît Méchain a intitulé son ouvrage sur Atatürk « Mustafa Kemal ou la mort d'un empire eh », et bien un titre plus approprié au vu des faits historiques aurait été « Mustafa Kemal ou la naissance d'une nation ». Au sujet de d'Atatürk, justement, donc, euh, on voit qu'il a eu une importance absolument considérable dans l'histoire de la Turquie moderne, mais, mais d'où vient-il en fait D'où sort ce personnage Comment a-t-il acquis une importance aussi considérable Alors. C'est une histoire euh, incroyable, en fait, hein, que celle de Kemal. Napoléon a dit qu'elle remanque ma vie, et eh bien euh, qu'elle remanque la vie turque Celui qui avait été condamné à mort par l'Empire ottoman devient le président d'une nouvelle nation et le destructeur le d'un destructeur empire. Car, encore une fois, on l'oublie souvent, car ce ne sont pas les nations européennes qui ont détruit l'Empire ottoman, mais les Turcs. Le général de Gaulle a dit que l'histoire, c'est la rencontre d'une volonté et d'un événement. Eh bien, cette citation résume la naissance de la Turquie et l'aventure d'Atatürk. Atatürk, c'est, je pense, le géant du XXe siècle. Son histoire est fascinante. On parle tout de même d'un homme qui a bâti une nation. C'est assez, euh, c'est remarquable. Atatürk, il est né, euh, il est né à Salonique et il a grandi dans une famille turcophone. Donc, on sait déjà que ses parents, ses parents étaient turcophones. Euh, dire exactement euh, quelles sont ses origines, c'est assez, euh, assez difficile. C'est assez difficile à dire puisqu'il s'agit d'un mythe un mythe national en Turquie. Donc, s'attaquer à Atatürk, finalement, essayer de chercher d'où il vient, c'est un peu s'attaquer au fondement de la nation turque. Il y a plusieurs thèses, il y a plusieurs théories. Tout simplement, il pourrait être un, un grec, en fait, hein, de, qui a toujours... Des euh, descendants de grecs qui ont toujours été à, à Salonique. Euh, certains disent qu'il pourrait, pourrait avoir des origines bulgares. Euh, certains aussi disent qu'en en fait, il pourrait être juif d'origine, donc il pourrait venir d'une famille juive. Euh, ce qu'on appelle euh, dans l'Empire ottoman les Donmeh. Donc, euh, Donmeh en, en turc actuel, ça vient de, de Donmek. Donmek, ça veut dire euh, tourner. Donc, euh, comme, euh, comme ce qu'on appelle les Donnel, hein, Donnel Kebab. Donc, on tournait ce Donmek. Donc, en fait, les Donmeh, c'est ceux qui se sont retournés, qui ont retourné leur veste, en fait, qui se sont convertis à l'islam. Mais euh, il faut préciser que qui est blond aux yeux bleus. Et donc, on peut euh, difficilement croire, quand même, à, à, une, origine, à une origine asiatique hein, pour, euh, pour Atatürk. Donc il faut savoir en fait qu'Atatürk, au... au début normalement de son aventure, il avait été envoyé par le sultan pour, euh, pour pacifier l'Anatolie, qui était en train de se soulever pour apporter euh, le calme, ramener l'ordre. Donc il, il, a... il débarque à Sinope euh, sur la région de la mer Noire, en fait c'est le début de ce qu'on va appeler euh, un peu l'épopée euh, kémalienne, c'est-à-dire qu'il va, euh, va aller partout en, en Anatolie, sauf qu'en fait il ne va absolument pas ramener l'ordre, au contraire il va soulever les populations contre, contre l'Empire, il y a différents congrès comme notamment le congrès de, de Sivas où en fait il pose, il pose les bases en fait de, de, de son projet et donc il souhaite vraiment rallier un maximum de personnes en, Anato en Anatolie euh, à sa cause et donc finalement Infine il avait été envoyé pour amener le calme, euh, bah, finalement il va totalement retourner la population anatolienne contre l'Empire et donc euh, comme c'est un un, un renégat entre, entre guillemets, est, hein, il est jugé comme un traître par, euh, par l'Empire. Donc là, il va être condamné, euh, il va être condamné à mort. Sauf qu'évidemment, il ne sera jamais mis à mort puisqu'il va gagner euh, sa guerre contre l'Empire Ottoman. Euh, maintenant, je vais parler un peu de, je vais parler un peu de son, son idéologie, euh, sa pensée. Euh, Atatürk, c'est le père du nationalisme turc, du vrai nationalisme turc. Nous verrons pourquoi. Euh, il applique la politique de la table rase, tabula rasa. Atatürk, il est athée et très occidental. Il rejette cet empire ottoman. D'après lui, cet empire cosmopolite a marginalisé la population turque et l'a opprimée. Il rejette l'islam et ses racines arabes. Pour lui, c'est l'islam qui est la cause du déclin de l'empire et de ses égarements. Il voit l'islam comme un facteur d'arriération et pour lui, cette religion ne peut carabiser en fait, les populations qu'elle touche. Il a des propos très virulents envers l'islam, propos que je ne citerai pas ici pour pas que votre chaîne soit censurée. Même si pour parvenir à la fondation de sa nouvelle nation, il s'est appuyé au début sur la religion. Il l'a utilisée à des fins politiques comme un moyen de cohésion. Nous reviendrons dessus par la suite. Atatürk est un lettré. Il est francophone et francophile. On pense qu'il aurait appris le français peut-être avec un prêtre de Salonique. C'est un, un lecteur des Lumières et suivant cette philosophie, il se voit pour la Turquie comme un, entre guillemets, un despote éclairé. Il est adorateur de Napoléon et de la Révolution française. C'est peut-être un franc-maçon, mais ce n'est pas certain. Il connaît Valmy et d'ailleurs dans son épopée, il y a quelque chose de, de très Valmy, hein, la défense de la nation en danger. Euh, il, il se marie avec Latifé Ousaki, francophone elle aussi. Euh, elle a fait ses études à la Sorbonne à Paris. D'ailleurs, signe d'ouverture, il dévoile sa femme. Atatürk est un jeune turc, idéologiquement, et son projet est d'édifier sur les ruines de l'Empire ottoman une nation nouvelle. Pour construire cette nation, il a besoin d'un peuple, d'une histoire commune et d'une religion commune pour faire sa cohésion. Il y a quelque chose de très westphalien, d'ailleurs, dans tout ça, un peuple, une religion, un État. Pour lui, en tant que nationaliste, c'est la base pour la réussite du projet. À partir de la communauté musulmane anatolienne, il va créer un nouveau peuple, le peuple turc tout comme la Révolution française a eu l'homme nouveau, les bolcheviques avaient le soviet, les kamalistes ont le turc. Le turc, c'est cet homme nouveau que Kemal veut détacher de l'islam, tourner vers l'Occident et détacher du passé ottoman. Pour ce projet, c'est l'identité turque qui fut retenue. Pourquoi pas grecque ou arménienne Parce qu'on venait tout de même de sortir de plusieurs années de conflits avec les grecs et d'un génocide arménien. Et il faut rappeler que le nationalisme grec est responsable de l'émergence du nationalisme turc. Il y a vraiment une construction en miroir. L'émergence du nationalisme turc est un réflexe de protection, une réponse au nationalisme grec. Et j'irai même plus loin, je dirais que le nationalisme grec, euh, sa volonté d'expansion, la mégalie idea est responsable de la naissance de la Turquie. Car si les Grecs n'avaient pas envahi l'Anatolie, peut-être que la population anatolienne ne se serait pas soulevée ainsi et ralliée à Kemal. Peut-être que la Turquie n'aurait jamais existé, en fait, et qu'aujourd'hui, l'Anatolie serait divisée entre un État ottoman, un État kurde et un État arménien il y a quelque chose du, du type d'un réflexe d'autodéfense en fait, dans la naissance de la Turquie. Donc tout ça pour dire, on ne peut pas choisir l'identité grecque pour la fondation de cette nation nouvelle. Et il faut aussi souligner que c'est cette différence supposée entre Grecs et Turcs, ou entre Turcs et Arméniens, qui, à l'heure des États-nations, légitime aussi auprès de la communauté internationale de l'époque la construction d'une entité turque différente du reste. À la rigueur, il aurait été possible de parler d'Anatolie, mais cela n'a pas été fait. Nous parlons de la Turquie et pas de la République d'Anatolie. L'idée d'Ataturk est la suivante. En se référant à l'envahisseur turc du XIe siècle, qui est euh, qui est encore marqué par une tradition chamanique, nous l'avons vu, At Atatürk pense ancrer son peuple dans un héritage pré-islamique, en opposition à l'horizon musulman du passé ottoman En choisissant l'identité de l'envahisseur turc du XIe siècle, Atatürk pense détacher son peuple de l'islam. Nous verrons pourquoi cela a été une erreur. La population autochtone gréco-arménienne qui s'était convertie à l'islam devient le peuple turc de la nation nouvelle, de la nouvelle nation turque. In fine, le nationalisme turc se fait en opposition. Opposition au nationalisme grec, arménien, arabe, kurde, opposition à l'islam, opposition au passé ottoman. Dans cette opposition, le nationalisme turc, c'est la prise de conscience du nous face aux autres. Concernant l'opposition aux, aux, aux Arabes, deux choses. L'islam et la culture arabe qui imprégnait l'Empire Ottoman sont mal vus par Kemal, considérés comme lui comme facteurs d'arriération et de sous-développement. Mais à cela, il faut rajouter que depuis la Première Guerre mondiale, les Arabes sont vus comme des traîtres. Des traîtres qui ont retourné leur veste pour s'allier aux Anglais, euh, qui leur avaient fait miroiter la possibilité de l'édification d'un grand royaume arabe. C'est l'histoire de Laurence d'Arabie. Pour conclure sur le nationalisme turc, pour comprendre de, de quoi on parle pour la suite, le nationalisme turc des origines, le vrai, celui euh, défini par Kemal, le Kemalisme orthodoxe, comme écrit Ardavan Amir Aslani, ce nationalisme turc est en opposition avec l'islam, en opposition au passé ottoman, et très occidentalo-compatible, si je puis dire. Ce nationalisme ne voit pas en l'Occident un ennemi, mais au contraire un modèle. Alors maintenant parlons tout de même des, des réformes de Kemal, euh, des grandes réformes de Kemal les voici. Abolition du, du sultanat, abolition du califat, rendez-vous compte un peu, hein, ce sont des réformes extrêmement osées et ambitieuses, c'est grosso modo comme si euh, d'un coup un homme avait aboli la monarchie euh, française et la papauté, interdiction du port du fez, le chapeau traditionnel ottoman qui est d'ailleurs d'origine grecque, le fez existait déjà à l'Antiquité, on retrouve même sur des pièces antiques arméniennes des portraits d'individus coiffés d'un fez. Cette coiffe porte le nom de Fez, car durant l'Empire ottoman, il y avait une importante production dans la ville de Fez au Maroc. Mais ce n'est pas une coiffe marocaine. Le Fez était apprécié des Ottomans, car sans rebord, le Fez permettait aux hommes de faire la prière en faisant toucher leur front au sol sans retirer leur couvre-chef. Euh, signe d'ignorance selon Atatürk, le Fez est interdit au profit du chapeau à l'Occidental. Interdiction du port du, du turban également, suppression des articles de la Constitution disposant que l'islam est la religion d'État, adoption de l'alphabet latin au détriment de l'alphabet arabe, réforme de la langue. La a envoyé des linguistes en Asie centrale pour ramener des mots de turc afin de remplacer certains mots d'origine arabe. Mais ma, ma source est le dictateur, euh, les dictateurs de Bainville. La langue turque actuelle de Turquie, le Turkché, est véritablement une langue nouvelle différente de la langue ottomane, l'Osmanleja, qui comportait plus de mots arabes et persans. D'ailleurs, certains érudits du début du siècle déploraient cela en mettant en avant le fait que les jeunes générations ne comprendraient plus les textes ottomans. Et d'ailleurs, de nombreux mots français ont été à cette époque incorporés à la langue turque, environ 5000. Donc quelques exemples, chauffeur, coiffeur, tracteur, docteur, université, robe de chambre, qui veut dire robe de chambre, hein, donc 5000 hein, en tout. On a aussi l'interdiction du voile à l'école et dans la fonction publique, euh, droit de vote et d'éligibilité des femmes aux élections nationales, avant la France d'ailleurs, il faut le noter. Instauration du dimanche comme euh, jour de repos au détriment du vendredi, au détriment du vendredi, donc euh, jour de repos pour les, pour les musulmans. Remplacement du calendrier islamique par le calendrier chrétien. Instauration de la laïcité. Alors la laïcité à la turque n'est pas la même que la laïcité à la française, hein, c'est même l'inverse. Là où la laïcité à la française, la séparation de l'Église et de l'État de 1905, sépare totalement État et religion, la laïcité turc étatise l'islam. Car vous l'aurez compris, turc voit l'islam comme un danger pour la nation. Ne pouvant faire disparaître l'islam de Turquie, l'objectif est alors de contrôler l'islam. Pour cela, est créée la fameuse Diyanet, équivalent d'un ministère des Affaires religieuses. Les prêches du vendredi sont faites à Ankara. C'est le retour du, du césaropapisme, hein, finalement inhérent à l'histoire de la Turquie, en fait. Euh, l'appel à la prière en, en turc, Atatürk abolit euh, l'appel à la prière en arabe, la langue sacrée de l'islam. Euh, Atatürk effectue le transfert de la capitale à Ankara et le nouveau nom donné euh, à Constantinople euh, sera Istanbul. Alors, certaines personnes voient souvent le fait que Constantinople ait été rebaptisé presque comme un affront au passé chrétien de la ville, sauf que la volonté était différente. On voit souvent Constantinople chez nous comme la capitale du puissant et chrétien euh, empire byzantin, sauf qu'on oublie que Constantinople, c'est à partir de 1453 la capitale de l'Empire Ottoman, puis à partir de 1517 la capitale du Califat. Et c'est cela qu'Atatürk a en tête lorsqu'il décide de rebaptiser Constantinople. Une fois de plus, il souhaite rompre avec le passé ottoman et islamique. Le nom choisi est Istanbul, qui vient du grec Istanbulin, prononciation, donc oui, est, ça, ça se dit. Euh, oui, Istanbulin, signifiant la ville ou dans la ville ce qui était le nom donné au quartier historique de Constantinople et qui correspond aujourd'hui à l'actuelle municipalité de Fatih, dans l'actuel Istanbul et installé la, la capitale sera désormais installée à Ankara et encore une fois euh, une rupture avec le passé ottoman euh, qui avait sa capitale à Constantinople on peut parler aussi de l'adoption des, des patronymes à l'occidental pour les turcs, on, donc les turcs ont dû choisir un patronyme et Kemal a choisi celui d'Atatürk, le père des turcs donc la Turquie euh, d'Ataturk se met à l'heure occidentale, véritablement. Maintenant, je vais parler un peu euh, du rapport d'Ataturk aux, aux minorités euh, grecques, euh, arméniennes et kurdes. Ça peut être, peut être intéressant. Alors les kurdes, et, les kurdes étaient très conservateurs. C'est encore souvent le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, les Kurdes ont réagi avec violence euh, pour s'opposer aux réformes d'Ataturk. Ils ont refusé la politique de, de sécularisation mise en place. Et le gouvernement turc a évidemment maté ces révoltes. C'est notamment le cas du soulèvement du Sheikh Saïd. Le Sheikh Saïd souleva les tribus kurdes au nom d'Allah et les mena au combat sous la bannière de l'islam. Les meneurs furent arrêtés et pendus à Diyarbakir, pour, pour faire un exemple. Alors sur l'héritage grec euh, et arménien, bon, ces, ces derniers sont, sont niés. Le discours officiel, uniquement, retient, le discours officiel retient uniquement l'identité turque, euh, car Atatürk souhaite une unité de la nation pour que celle-ci puisse être solide et viable. Cependant, il n'approuve pas le génocide et le qualifie d'acte honteux. Il, il n'y a d'ailleurs pas participé puisqu'il était sur le front d'Ouest dans les Dardanelles. Atatürk a adopté des filles. Il n'a jamais eu d'enfant d'une union et l'une de ses filles, Sabia Gokchen, était une enfant arménienne rescapée du génocide. Je pense par là qu'Atatürk a voulu faire passer un message peut-être. Euh, donc Sabia Gogchen, cette fille euh, donc, rescapée du génocide arménien, est d'ailleurs devenue l'une des premières femmes pilotes d'avions militaires. Lentink, le journaliste turco-arménien, euh, s'est fait assassiner en 2007 parce qu'il avait découvert justement l'origine de Sabia Gogchen. Il y a une chose qui est tout de même intéressante à remarquer, c'est que euh, turc fait enseigner l'histoire des hittites aux jeunes écoliers. Donc très ancrés localement en Anatolie, hein, les hittites, absolument pas turcs. Mais ceux-ci euh, ont fait le mérite d'être des ancêtres qui n'étaient pas chrétiens. C'est plus politiquement euh, correct. Cela interroge tout de même sur l'adhésion d'Atatürk à la thèse des origines turques de son peuple, puisque en même temps il se réfère au passé hittite. Euh, Peut-être peut-on penser qu'Atatürk, euh, en habile politicien, a utilisé la Turcité à des fins uniquement politiques. Mais ce choix de l'identité turque pour fonder la nouvelle nation fut une erreur. Le kémalisme est fait de contradictions, en fait. Hein. Atatürk a était contre-productif dans cette affaire. Il voulait combattre l'islam, mais cette décision ne pouvait que lui rouvrir la porte. Car ce sont les envahisseurs turcs du XIe siècle qui ont tout de même fait entrer l'islam en Anatolie. Tous les Turcs qui s'intéressent à leur histoire se tournent alors inévitablement vers ces envahisseurs turcs, et la religion de ces envahisseurs, c'était l'islam. Les Turcs, pour essayer de, de comprendre ce qu'ils pensent être leurs origines, in fine, se retournent vers l'islam pour construire leur identité turque. Euh, je suis turc, mes ancêtres étaient musulmans, alors je suis musulman. Alors que Kemal pensait en faisant ce, ce choix, euh, détacher les Turcs de l'islam, c'est l'effet inverse qui s'est produit. Et on l'observe sur l'échiquier politique turc, le spectre politique glisse toujours progressivement vers l'islam. Des partis politiques émergent régulièrement se présentant comme étant de vrais Kemalistes, et à chaque fois le même scénario se produit, un glissement vers l'islam. Tout comme notre euh, spectre politique glisse toujours hmm, plus à gauche le spectre politique turc glisse toujours vers l'islam. Atatürk, par cela, a en fait fait de la, la nation turque une nation schizophrène, écartelée entre un modèle occidental à atteindre et une identité asiatique qui pousse les Turcs à regarder vers la Mongolie, regarder en même temps vers l'Occident et vers l'Orient. Une autre conséquence de ce choix, et que j'ai pu observer sur place, c'est le déracinement des Turcs, puisqu'ils sont supposés venir d'Asie, les Turcs se sentent étrangers à leur propre terre cette identité turque a en fait coupé les habitants de Turquie de leurs racines, de leur ancrage. Tous les monuments qui existaient avant 1071 sont vus par les Turcs comme un patrimoine qui leur est étranger. Un, un exemple, une petite anecdote, une fois en parlant des sublimes ruines datant d'avant la période islamique, euh, avec un Turc, ce dernier m'a répondu euh, ⁇ Bravo, tes ancêtres ont fait de beaux édifices ⁇ sous-entendant que comme ces édifices, ces édifices avaient été bâtis par des chrétiens, ces ouvrages étaient l'œuvre de mes ancêtres et non des siens. Assez, euh, assez cocasse. Un autre exemple euh, frappant lorsqu'on se rend en Turquie, aussi, c'est le nombre de drapeaux turcs, un peu partout et surtout euh, leur dimension, une voile de 1453 mètres carrés, tout un symbole, et un mât de plus de 110 mètres euh, de haut pour le drapeau du militaire Dédir -e Kappe à Istanbul. Les turcs, avec ces drapeaux, ont besoin de montrer qu'ici, c'est chez eux, sous-entendu que cette terre n'était pas à eux avant, mais que désormais, c'est la leur et ils y resteront et ils le montrent. Et on, on rejoue à la conquête. On rejoue à la conquête de Constantinople lors des cérémonies du 29 mai. On rejoue à la conquête en convertissant Saint-Sophie en mosquée. On rejoue la conquête en plantant des drapeaux sur toutes les collines d'Istanbul. C'est en fait un système qui tourne en rond. Ils rejouent la conquête, mais contre qui Il n'y a plus d'adversaire. Ils rejouent la conquête contre eux-mêmes. En fait, c'est un moyen d'auto-persuasion, un moyen de se rassurer. Ah oui, euh, finalement, cette terre est véritablement à nous. Mais, mais qui a dit le contraire Qui a dit le contraire, en fait, euh, actuellement à part eux. C'est ce que j'appelle, euh, alors c'est un terme qui, qui vient de moi, c'est le syndrome du squatter. C'est-à-dire que la peur d'être délogé, puisqu'ils seraient en fait des étrangers à cette terre d'Anatolie. La peur qu'un jour, le véritable propriétaire revienne. Mais s'ils si comprennent qu'en fait, et c'est vrai, c les, les, les vrais propriétaires de, de, um, ont toujours été eux, les vrais propriétaires de cette terre ont toujours été eux, alors les Turcs seraient euh, beaucoup plus apaisés avec leur histoire. Et je pense que ce syndrome du squatter explique en partie euh, l'agressivité que peut parfois avoir la Turquie dans ses relations diplomatiques. Dès les débuts de la, la nation turque, euh, le ver était dans le fruit. Pour en finir cette réponse, euh, petite anecdote, j'ai déjà rencontré des Turcs qui sont persuadés d'être totalement différents. Donc des Grecs et des Arméniens qui vivent juste de l'autre côté de la frontière ou parfois carrément parmi eux. Mais ces mêmes Turcs souhaitaient un jour dans leur vie faire un voyage en Mongolie à 6000 km. Pour retrouver leurs racines. La Turcité en Turquie est en fait un, un déracinement, une rupture avec l'identité euh, réelle. Une autre question sur, euh, sur Atatürk et sur son, son mode de gouvernement en fait. Atatürk euh, a régné jusqu'en 1938, je crois, ce qui fait qu'il est un, un contemporain direct d'autres mouvements autoritaires en Europe, comme bien entendu le, le fascisme italien. Est-ce que est-ce que son, son mode de gouvernement l'apparente d'une certaine manière aux autres dirigeants fascistes européens Quel était son rapport à, ces, à cette idéologie Alors, il y a, y a des, des similitudes, mais le modèle de Kemal, je pense, est quand même particulier. Alors, euh, son rapport à cette, à cette idéologie, déjà, bah, en fait, c'est le, le premier. À euh, il vient avant, euh, avant Mussolini il vient euh, avant, euh, avant Hitler. Mais les, les trois, enfin, il ne peut pas être comparé, je pense, à, ni à Mussolini, ni à, ni à Hitler. Euh, D'ailleurs, euh, lui-même, en fait, n'acceptait pas ce parallèle, parce que euh, déjà à l'époque, il y a des parallèles euh, qui avaient euh, certains avaient essayé d'établir le parallèle, et euh, à chaque fois euh, Atatürk balait cela d'un revers de la main, en disant qu'il n'a rien à voir, euh, qu'il n'a rien à voir avec ces gens-là. Finalement, il y aurait peut-être plus un parallèle à faire entre les jeunes Turcs, donc juste avant Atatürk même si Yataturk était un jeune Turc, mais véritablement le mouvement jeune turc et les fascismes en Europe. Et euh, finalement, en fait, le Mussolini et, et surtout Hitler d'ailleurs, vont beaucoup prendre exemple sur ce qui s'est fait euh, au moment des jeunes turcs. Et, euh, et évidemment, on pense euh, à la Shoah et qui, qui a été inspirée hein, par le génocide arménien. D'ailleurs, Hitler le dit lui-même hein, lors d'un interview. Hein, il dit qu'en fait, euh, l'exemple, ça a été ce que les jeunes turcs ont perpétré euh, euh, envers les Arméniens durant la première guerre mondiale. Et encore une fois, il y avait des, des officiers allemands qui étaient présents en Anatolie, qui ont vu ce qui se passait avec les Arméniens et parfois ils ont participé. Et quand ils reviennent en Allemagne, bah, ça leur donne des idées. Ça leur donne des idées pour la suite hein, très clairement. Et euh, il y a une sorte de connivence idéologique dès la Première Guerre mondiale entre ce qui vont devenir plus tard, euh, euh, ce qui deviendront plus tard les nazis et, euh, et, et les jeunes Turcs de l'époque. Il y a vraiment un par... enfin les Allemands établissent eux-mêmes en fait un parallèle. Entre les Arméniens et les Juifs, déjà dès l'époque, euh, dès la Première Guerre mondiale, ils expliquent qu'en fait les Arméniens sont une sorte de classe financière euh, qui opprimerait euh, le reste des Ottomans. Euh, reproche qui sera fait aussi aux Juifs, euh, aux Juifs dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, ensuite, on peut au aussi revenir sur le fait que Mussolini et Hitler sont euh, tout de même euh, très mal vus de notre époque, euh, alors que Atatürk a gardé, on va dire, euh, a gardé sa majesté. Même s'il est remis en question, nous allons le voir sous l'ère Erdogan, par Erdogan, euh, il a quand même gardé, gardé sa, sa stature. Euh, ça reste le père fondateur de la Turquie. Et encore aujourd'hui, il est très bien vu euh, par la majorité, euh, la très grande majorité des Turcs. Très bien. Alors justement, ça me permet d'aborder une, une autre question. On a vu qu'Ataturk a entrepris énormément de, de, de réformes de grande importance dans son pays. Mais quelle sera la portée réelle de toutes ces réformes sur la société turque Au fond, ne toucheront-elles pas principalement les grands centres urbains, laissant le reste du pays à ses mœurs d'antan Alors, euh, comme d'habitude, je vais faire une réponse en, en oui et non. Oui, euh, car il y a un parallèle à faire avec le mouvement d'occidentalisation durant les temps de Zimat. C'est-à-dire que ceux qui adhèrent véritablement au kémalisme, c'est l'élite turque, et en particulier dans les grandes villes. Il faut voir d'ailleurs les photographies d'époque. Hein. À Istanbul, les femmes et les hommes sont très chics, très élégants. Euh, d'ailleurs, sur ces mêmes photographies, on peut voir que de pa nombreux panneaux publicitaires dans les rues d'Istanbul étaient écrits en français. Euh, je me souviens, même lors d'une de mes balades, euh, d'avoir vu une enseigne dans le quartier des Minenus, Alors c'était une, une enseigne plus ancienne, hein, qui ne datait pas d'Atatürk, mais de la fin de l'Empire ottoman. Euh, cette enseigne était écrite en, en ottoman, donc en calligraphie arabe, en grec, en arménien et en français. Euh, C'était écrit euh, coiffeur, voilà, pour la petite histoire. Euh, je, je reviens à mon sujet. Euh, les élites vivaient à l'heure européenne. Les élites en particulier d'Istanbul sont occidentalisées et sécularisées. Mais il y a un contraste très euh, important avec le reste de l'Anatolie, et plus particulièrement le cœur de l'Anatolie. Cette population qui s'était soulevée contre l'Empire ottoman en déroute et qui avait aidé Kemal à accéder au pouvoir. Et rappelez-vous... Au départ, Kemal se sert de la religion. Euh, il s'est appuyé sur ce cœur religieux et militant de l'Anatolie pour parvenir à ses fins, par opportunisme politique. Mais donc, une fois Katatürk lance ses réformes, cette partie de la population se retrouve en décalage complet avec, euh, avec sa classe dirigeante. Et nous verrons que cette population est devenue la base, le noyau dur de l'électorat Erdogan. Un, un véritable clivage s'est instauré entre ces deux populations qui font pourtant partie de la même nation. Ce clivage, il existe toujours aujourd'hui. Il y a les Beyas Turkler, les, les Turcs blancs, euh, les classes occidentalisées des grandes villes et les Kara Turkler, les Turcs noirs, conservateurs, religieux, vivant dans les campagnes. C'est vraiment les termes qui sont utilisés. Cependant, aujourd'hui, il faut noter qu'il existe désormais une élite turque pieuse et conservatrice. Qui vote Erdogan, et souvent cette élite est liée au parti AKP du, du président. Donc en effet, il y a une partie importante de la population qui n'adhérait pas au kémalisme dès les origines, et ce qui va permettre, nous le verrons, la contre-révolution islamique en Turquie. Cependant, il ne faut pas minimiser la portée de ces réformes, car même si toute une partie de la population n'a pas adhéré et n'adhère toujours pas au kémalisme, euh, même si certains aiment Kemal. Euh, euh, car en Turquie, euh, la dévotion à Atatürk est encore aujourd'hui la norme, même si la majorité de la population ne connaît pas le véritable projet politique d'Atatürk. Donc même si cette population n'a pas adhéré au kémalisme, elle a été changée euh, par ces réformes, car les lois de la nouvelle nation se sont imposées partout sur le territoire de la République. Et nous l'avons vu, il s'agit de réformes très ambitieuses qui ont changé le quotidien des citoyens turcs. Donc les conservateurs ont tout de même été touchés par ces réformes et ont dû se plier à la loi. Et en général, on peut l'observer en Turquie, y compris dans les campagnes pieuses et conservatrices, la moyenne est tout de même moins conservatrice que dans le reste du monde musulman. Et on pourrait même dire que, entre guillemets, la Turquie est le moins musulman des pays musulmans. Et je pense que cela est dû en partie à l'œuvre turque. Sedresi odun ete çam, kâtipimin sedresi odun ete çam, kâtip ulkudan uyanmış gözlerim, uyanmış gözlerim benim ben kâ. Et comment la Turquie évolue-t-elle depuis la mort d'Atatürk ensuite Connaît-elle un renouveau rapide de l'influence islamique Est-ce que vous pouvez tracer les grands traits qui caractérisent la, la vie politique turque entre la mort d'Atatürk et l'ascension d'Erdogan Alors, euh, on peut même dire que l'histoire de la Turquie dans le, la deuxième moitié du XXe siècle, c'est l'histoire d'une contre-révolution islamique. Cette contre-révolution contre avec des hauts et des bas est allée sur le long terme. Ce n'est pas un événement soudain et brutal, mais au contraire quelque chose de lent et progressif. Un peu comme l'histoire de la grenouille que l'on plonge dans l'eau tiède et on fait monter progressivement la température. Cette contre-révolution est marquée par, par l'affrontement constant du sabre et du turban, pour reprendre l'expression employée par Jean-François Colosimo. C'est-à-dire l'affrontement entre l'armée kémaliste garante des valeurs de la nation turque et, des, et, et, et les religieux, prenant souvent la forme d'hommes politiques. Et pour l'instant, c'est le turban qui a pris l'avantage. C'est cet affrontement, et cet affrontement d'ailleurs remonte à très loin dans l'histoire de la Turquie, déjà sous l'Empire byzantin, puis sous l'Empire ottoman, et enfin sous la Turquie actuelle. L'histoire de la Turquie dans la seconde moitié du XXe siècle est une succession de coups d'État. À chaque fois, via les élections, l'islam revient, et régulièrement. L'armée reprend le pouvoir pour contrer cette contre-révolution islamique à l'œuvre en Turquie. Finalement, le kémalisme orthodoxe, le vrai kémalisme, c'est-à-dire le, le vrai nationalisme turc, disparaît très tôt après la mort de Kemal. Atatürk meurt en 1938. Après sa mort, c'est son fidèle bras droit Ismet Inonu qui devient président de la République. Il est président de 1938 à 1950. Sous, sous le mandat d'Inonu, c'est un vrai kémalisme, un vrai nationalisme turc qui est encore appliqué. L'héritage de Kemal est respecté, mais tout change en 1950. La suite est une longue et progressive islamisation du pays. Alors en 1950, et des élections sont organisées. La Turquie s'apprête alors à rejoindre l'OTAN. Euh, elle a rejoint l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en, en 1951, euh, en même temps que la Grèce. Alors nous sommes au, au début de la guerre froide. Comme gage d'adhésion aux valeurs du bloc de l'Ouest, les USA demandent à la Turquie de se démocratiser. Car jusque-là, il n'y avait euh, qu'un seul parti, le JHP (Cumhuriyet al Partisi), c'est-à-dire le Parti républicain du peuple, le parti fondé par Atatürk. Son emblème est composé de six flèches, symbolisant les six piliers du kémalisme républicanisme, populisme, laïcité, révolutionnarisme, nationalisme, étatisme. Les USA demandent à la Turquie d'organiser des nouvelles élections libres en adoptant le pluralisme politique. C'est ce qui est fait, et dès la première élection libre. Dès que la démocratie est appliquée, le JEP, donc le parti kémaliste, est battu. C'est le parti dit démocrate, démocrate party, un parti conservateur souhaitant assouplir la politique de l'État en matière religieuse qui prend le pouvoir. Adnan Menderes devient Premier ministre. Il fut le, donc issu de ce parti, il fut Premier ministre de 1950 à 1960 et il mena une politique d'islamisation de la Turquie. Il revient sur plusieurs lois d'attitude, notamment l'appel à la prière qu'il fit remettre en arabe. Afin de gagner le soutien de la paysannerie turque, le DP, le Démocrate Party, mena une politique de mécanisation de l'agriculture. Il baisse les impôts pour les producteurs agricoles. Encore une fois, on y revient, cette paysannerie anatolienne. En 1960, Annan Menderes est déposé par l'armée et condamné à mort. Il est pendu sur l'île d'Imrale, la même île sur laquelle le pouvoir byzantin écrouait les intrigants. Le... le Parti démocrate est... est dissous par les militaires qui l'accusent d'être un parti islamiste. La suite de l'histoire est une série de coups d'État et de réinstauration de la démocratie. À chaque fois, le même cas de figure, l'armée prend le pouvoir pour garantir l'héritage d'Atatürk. Une fois le pouvoir rendu et la démocratie rétablie, les élections sont gagnées par des partis islamo-conservateurs qui continuent la politique d'islamisation du pays, mise en œuvre par le précédent parti dissous par le coup d'État. Il y a quatre coups d'État entre la mort d'Atatürk et la fin du XXe siècle 1960, 1971, 1980, 1997. À chaque fois, le peuple vote pour l'islam. Comme l'écrit Ardavan Amir Aslani dans son ouvrage, La Turquie Nouveau Califat, je cite, tel l'hydre de Lerne, chaque parti décapité renaissait sous une autre forme, avec un autre nom, mais diffusant toujours la même idéologie. Fin de la citation. Vu de chez nous, on a souvent tendance à croire, et on entend souvent euh, chez nous également, que c'est la dictature qui a euh, amené l'islam euh, dans une Turquie autrefois laïque. Et que le rétablissement de la démocratie euh, désislamisera le pays. Mais en fait, c'est totalement l'inverse. C'est un régime militaire fort qui a sécularisé le pays et c'est la démocratie qui l'islamise. Dès que les Turcs ont pu voter librement, ils ont voté pour l'islam. Le processus d'islamisation s'accélère dans les années 70, mais surtout 80. Dans ces années, nous sommes toujours en pleine guerre froide. La Turquie est euh, en avant-poste de l'OTAN face à l'Empire soviétique. Contrôlant les détroits du Bosphore et des Dardanelles, c'est un pays hautement stratégique car il barre la route des mers chaudes à l'URSS. Nous sommes ici dans un très vieil affrontement tout au long du XIXe siècle. L'Empire russe cherchait à accéder à la Méditerranée et les Britanniques leur barrent la route en soutenant l'Empire ottoman. C'est ce qu'on appelle le, le big game. Face à, à la montée des mouvements de gauche en Turquie dans les années 70, pour éviter une emprise des communistes dans le pays, la CIA va financer différentes organisations, dont les fameux loups gris une organisation paramilitaire islamo-conservatrice et pan-turkiste. Ses aides et financements se font notamment dans le cadre du programme Stay Behind de l'OTAN. En 1980, le coup d'État, mené par le général Kenan Evren, n'est pas tout à fait comme les autres. Ici, l'armée commence à s'accommoder de l'islam. La ligne n'est plus aussi respectueuse du kémalisme des origines. Le général Evren devient président. En 1983, euh, Turgut Özal, un kurde, devient euh, Premier ministre, puis Président de la République en 1989. C'est véritablement un tournant. Özal déclare, je cite, La Turquie est laïque, mais moi je suis musulman. Fin de la citation. Son premier voyage diplomatique fut d'ailleurs un déplacement à la Mecque en signe de réconciliation de la Turquie avec la religion islamique. Euh, C'était une citation. Turgut Özal fit notamment abolir l'article 163 du, du Code turc interdisant les partis islamistes dans le pays. Les années 80 marquent en fait la mort du kémalisme. À partir des années 80, la Turquie entre dans une ère euh, qu'on pourrait appeler post-kémaliste. Même si aujourd'hui encore les hommes politiques turcs se présentent comme kémalistes, il s'agit d'un kémalisme de façade. Euh, je cite la bonne formule d'Alexandre Delval, reprise dans l'ouvrage d'Ardavan Amir Aslani, euh, toujours dans le même ouvrage, La, la Turquie Nouveau Califat. Il a vraiment bien cerné la situation. Hein. Je cite En fait, le kémalisme de l'État turc dont les dirigeants se réclament toujours publiquement pour ne pas froisser les militaires et par l'égalisme républicain a été enterré dans les années 80 avec l'arrivée au pouvoir du premier ministre Gulbautsal. Fin la citation. Parallèlement, dans leur projet de ceinture verte couleur, couleur de l'islam autour de l'URSS, les Américains investissent dans des hommes politiques islamo-conservateurs toujours dans l'objectif de faire barrière au communisme. Ils continueront ensuite cette politique, pensant avoir trouvé des hommes capables d'effectuer une synthèse entre islam et valeurs démocratiques. Ce fut le cas pour le prédicateur musulman Fethullah Gulen, euh, soutenu par les Américains. Il est à l'origine du mouvement ismet le, euh, le mouvement Gulen. Il y a un homme, Nejmetin al-Bakan. À partir de la fin des années 60, il s'impose comme la figure principale de l'islamisme turc. Il est le fondateur de la désormais célèbre confédération Mili euh, fondé en Allemagne d'ailleurs, c'est assez remarquable cette capacité que nous avons euh, de faire grandir ce qui, ceux qui veulent nous détruire en fait en notre sein. Le Mili Goruche est la maison mère euh, du Mili Selamet Parti ici MSP parti dans lequel Erdogan s'est inscrit étant jeune. Erbakan fut le mentor de Recep Tayyip Erdogan. Euh, le Mili Goruche est la mère des partis euh, Fazilet ou Refa euh, c'est avec ce parti euh, Refa qu'Erdogan se fait élire maire d'Istanbul en 1994, et c'est là le début de l'ascension. Et donc venons-en à, à ce fameux Erdogan. Quelle a été sa stratégie pour arriver au pouvoir D'abord, je voudrais souligner quelque chose. Il faut faire, euh, avant, avant, de, avant de répondre, il ne faut pas tomber dans la caricature. Euh, en gros, Erdogan veut faire renaître l'Empire ottoman, et comme les Turcs rêvent euh, tous d'envahir l'Europe, ils votent pour lui. C'est plus compliqué que ça. Mais c'est cette complexité qui rend la chose intéressante à analyser. La société turque n'est absolument pas un bloc. Elle est très divisée. Et c'est notamment grâce à ces divisions qu'Erdogan se maintient au pouvoir. Et Erdogan sait jouer avec ces divisions, les accentuer ou, selon les circonstances, les atténuer pour pouvoir jouer sur différents tableaux. Pour rappel, aux dernières élections, Erdogan fait 52% au second tour. Ça veut dire que 48% des électeurs n'ont pas voté pour lui, par définition. Alors, suite au coup d'État de 97, son parti, le Refa Partisi, est dissous par l'armée. Erdogan fait un séjour en prison pour avoir récité un poème de Zia Gekalp, donc un kurde qui est l'un des pères de la pensée jeune turque, je cite, Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles sont nos casques, les mosquées sont nos casernes. Fin de la citation. Ce séjour en prison lui a appris à lisser, voire à parfois adopter un discours contraire à son idéologie pour parvenir à ses fins. En 2001, Erdogan crée l'AKP, Adaled Ve Kalkanma Partisi, euh, qui est le successeur du Fazilet Partisi, interdit en 2001. Euh, C'était le parti de la vertu, Fazilet Partisi. Lui-même successeur du Refa Partisi, interdit en 1997. L'AKP gagne les élections de 2002. Erdogan devient premier ministre en 2003. Il conserve son poste jusqu'en 2014, année où il devient président de la République, et il sera réélu en 2018 et en 2023. Pour arriver, pour se maintenir au pouvoir, Erdogan a usé de plusieurs leviers. En bon, voici quelques-uns. Déjà, à ses débuts, Erdogan a réussi à, à améliorer le pouvoir d'achat des, des citoyens turcs, ce qui a participé à sa popularité. Pendant un temps, actuellement, hein, ce n'est plus du tout le cas. Euh, il a réussi à, à, à donner euh, l'illusion que l'économie de la Turquie allait se développer sur le long terme. Sa stratégie reposait et repose toujours en partie sur une politique de relance par la demande de l'État une politique de grands travaux qu'on peut qualifier de politique keynésienne. Une politique euh, de projets pharaoniques qui offre des emplois et donne l'illusion à la population d'un développement hors du commun. Euh, exemple Istanbul laval -e le l'aéroport d'Istanbul, Çanakkale, le pont de Çanakkale, le pont Yavuz Selim à Istanbul, euh, l'Osman Gazi, le pont Osman Gazi ou le canal Istanbul. L'économie en Turquie repose beaucoup sur le secteur du BTP, secteur contrôlé par l'AKP. La, la Turquie est un, est un pays constamment en chantier. Cependant, il y a beaucoup de malversations, comme le drame du tremblement de terre nous l'a démontré. Ensuite, Erdogan est un populiste, même si le terme est totalement dévoyé aujourd'hui. Il prend la posture du candidat du vrai peuple face à l'élite occidentalisée, en fait l'élite kémaliste. Mis à part euh, l'aspect religieux, il ne faut pas négliger un aspect euh, très euh, lutte des classes dans le, le vote d'Erdogan. Il y a un côté très euh, entre guillemets, petit père des peuples, euh, non pas dans le sens d'une ressemblance avec Staline, mais euh, j'entends ici euh, vraiment dans le sens de la formule. Il est le candidat de l'Anatolie à la traîne face au, au centre des grandes métropoles, voire euh, mégalopoles comme Istanbul. Ensuite, pour arriver euh, progressivement euh, à prendre la main sur l'état turc, Erdogan s'est au début servi du réseau Gulen. Le réseau de ce dernier était très important et infiltrait véritablement toutes les couches du pouvoir. Ceci l'a aidé à contrer les kémalistes. Erdogan a utilisé, euh, la, euh, a utilisé la rhétorique des droits de l'homme pour islamiser le pays. Selon sa formule, le premier des droits de l'homme est celui de la femme d'être voilée. Et ça marche. Il a, il a même réussi à séduire des féministes au début. Euh, oui, parce qu'il y, y a des féministes en Turquie. Des féministes vont notamment être séduites par sa volonté d'autoriser le port du voile euh, à l'école et, et dans la fonction publique. Ces féministes de gauche y voyaient à l'époque une avancée pour les droits des femmes. En fait, à ses débuts, Erdogan a un discours très islamo-gauchiste, en fait, à impression. faut citer aussi, on va parler là d'un coup très bien joué par Erdogan, c'est sa stratégie d'adhésion à l'UE. Euh, tout le monde est tombé dans le panneau, la gauche européenne a applaudi des deux pieds et des deux mains euh, la future entrée dans, dans l'Union européenne de la Turquie. Et une partie de la droite a fait une réaction épidermique en se focalisant sur cette potentielle adhésion, sans comprendre qu'Erdogan avait en fait un, un projet plus, plus fin derrière. En 1999, la députée Merve Kavakci est exclue du Parlement turc pour s'être présentée en séance avec un voile. Le président de l'Assemblée de l'époque lui rappelle qu'une élue ne peut pas défier l'autorité de la République et lui demande de sortir. Pour avoir exclu cette femme voilée du Parlement, la Turquie fut condamnée par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Alors là, il s'agit de la CEDH, mais le principe est le même pour l'UE face à cette idéologie clairement islamisante. Et Erdogan va s'engouffrer dans la brèche. À cette époque, certains sondages estimaient que 70% des Turcs étaient favorables à une entrée de la Turquie dans l'UE. Erdogan va, va, surfer, euh, va surfer sur cette vague. En poussant la candidature de la Turquie, il gagne en, en popularité et en même temps, cela lui offre un prétexte pour changer aux profondeurs la, la société et les mécanismes du pouvoir. Il y a plusieurs chapitres. Que les pays doivent respecter afin de pouvoir entrer dans l'UE, eh euh, pour se conformer aux règles de, de l'Union européenne, la Turquie doit s'assouplir en matière de politique religieuse et également écarter l'armée nationaliste kémaliste du pouvoir. Car à l'époque, l'État turc est sous euh, tutelle entre guillemets, de, de l'armée. C'est du pain béni pour Erdogan. Il va utiliser le prétexte de l'adhésion euh, à l'UE pour islamiser la société au nom des droits de l'homme et va pouvoir euh, se défaire de l'armée euh, kémaliste qu'il a bridé dans son action. La gauche européenne applaudit, la droite ne comprend pas le coup d'avance d'Erdogan. En fait, je pense qu'Erdogan n'a jamais cru à cette adhésion. C'était une stratégie et elle a marché. De plus, cerise sur le gâteau, ce refus de, de l'Union européenne à l'adhésion de la Turquie lui a ensuite permis, face à son opinion publique, de nous accuser et ainsi de faire, de, de faire désoccidentaliser, de désoccidentaliser une partie des Turcs déçus et de s'en faire de nouveaux électeurs. Et pour boucler la boucle, en tant que pays ayant toujours officiellement le statut de candidat, le processus, le processus est pour l'instant gelé. La Turquie continue de percevoir des subventions de l'Union européenne. On a envie de dire presque à bille-bille. Euh, Erdogan est gagnant sur tous les tableaux. En 2007 a lieu l'affaire Ergenekon, euh, du nom du mythe dont nous avons parlé dans la première partie. Il s'agit ici de la découverte d'un pseudo-réseau criminel turc composé de nationalistes qui auraient euh, eu pour objectif de renverser l'AKP. Ces personnes étaient des militaires, des universitaires, des journalistes, des magistrats. Des centaines d'arrestations ont eu lieu, et ceci a permis à Erdogan de contrecarrer l'influence nationaliste et de placer des hommes à lui. Également, un, un tournant dans l'histoire politique de la Turquie, euh, récemment, c'est le coup d'État manqué de 2016. Qui en est à l'origine Les USA, euh, Gulen, euh, Erdogan lui-même. Pour l'instant, c'est difficile de connaître la vérité. Mais finalement, ici, euh, l'importance n'est pas tellement qui est à l'origine de ce putsch, mais qui a profité du crime. Et ce crime profite à Erdogan. Il l'a dit lui-même, « Allanen le feu. » C'est un don de Dieu. Et ce fut en effet le cas pour Erdogan. Cela lui a permis de légitimer une purge, d'opérer un véritable nettoyage dans toutes les strates de la société turque. Après le putsch manqué, plus de 150 000 personnes ont été limogées et environ 50 000 ont été emprisonnées. Cela au, au nom de la lutte contre l'organisation de Fethullah Gulen, ancien allié encombrant car puissant d'Erdogan, désormais accusé par celui-ci d'être l'instigateur du coup d'État de 2016. Depuis 2016, en fait, l'AKP contrôle désormais toutes les strates de la société turque. Et Erdogan a vraiment pris, euh, pris les manettes, a vraiment les mains libres désormais. Euh, nous avons parlé, euh, j'ai parlé au début de ma réponse, euh, hein, Erdogan sait comment jouer avec les divisions dans son pays. Et, et parfois, il en crée certaines. Il sait appuyer là où ça fait mal. Il sait euh, comment monter les citoyens les uns contre les autres, euh, diviser pour mieux régner, ou monter les, les citoyens des, contre des ennemis de l'extérieur. La Turquie, en fait, c'est la lutte constante entre des ennemis de l'intérieur et des, et des ennemis de l'extérieur, réels ou imaginaires. Car euh, là où il n'y a pas de danger, Erdogan arrive à en inventer un, à créer un sentiment de tension, un climat euh, anxiogène qui profite euh, évidemment au pouvoir en place. Car en situation de crise, on vote généralement pour le pouvoir en place. Eh bien, Erdogan crée l'illusion d'une crise. Euh, ces ennemis de l'intérieur, qui sont-ils En général, c'est les Alevis, euh, les Kurdes ou les WOK LGBT. Euh, je précise, oui, en effet, il y a un, y a un mouvement woke LGBT en Turquie. Hein, et il il n'est pas invisible. Euh, même si ce n'est pas comme chez nous, il y a tout de même une visibilité. Et cela permet à Erdogan d'accuser l'Occident de, de pervertir la jeunesse turque. Et concernant les ennemis de l'extérieur, en général, ce sont l'Occident, l'Arménie ou la Grèce. Alors, comment ce discours peut-il prendre en Turquie Eh bien, parce que la Turquie est victime d'une sorte de paranoïa, la peur panique de la division, de la destruction du pays. Cela porte un nom. C'est le entre guillemets, le syndrome de Sèvres, la formule n'est pas de moins, hein, en référence au traité qui avait découpé l'Anatolie en plusieurs états et zones d'influence. Ce traumatisme a inscrit dans, inscrit dans la génétique de ce pays euh, la peur de la division et de la destruction. Si bien que le moindre, la moindre nuance pouvant être apportée, par exemple, au récit officiel de l'origine des Turcs de Turquie, est immédiatement perçue comme une tentative de, de rompre l'unité, euh, d'apporter la discorde et, et la division. J'ai euh, moi-même euh, eu euh, cette expérience une fois, je montrais à un Turc euh, différentes images du folklore des, des vrais Turcs de Mongolie, ainsi que des folklores grecs, arméniens et turcs de Turquie. Je faisais remarquer que le folklore euh, turc de Turquie n'a rien à, à voir avec celui euh, des vrais Turcs, et cependant est exactement le même que celui des Grecs ou des arméniens. Euh, ce à quoi euh, euh, j'ai ajouté, euh, en fait, les, les Turcs de Turquie sont-ils vraiment Turcs alors, la réponse de mon interlocuteur, très intéressante, semblable à une réaction allergique, était la suivante. Il m'a dit euh, « Oui, nous sommes turcs, cette terre euh, est turque et le restera, et nous la défendrons contre nos ennemis. » Alors, voilà typiquement, euh, ça m'a laissé un peu, enfin, j'étais un peu désappointé, et voilà typiquement euh, un exemple de syndrome de Sèvres. La peur panique de la division et de la destruction. Au syndrome du squatteur, nous pouvons ajouter celui de Sèvres. Et je précise que cette pensée est véritablement prégnante hein, en Turquie. Hein. C'est une peur véritablement irrationnelle. Des Turcs sont persuadés que l'Arménie ou la Grèce euh, peuvent attaquer la, la Turquie et essayer de prendre certaines terres anatoliennes. Cette peur repose sur des, des éléments historiques fondés. Mais cela est totalement irrationnel de nos jours. Hein. Que, que peut faire l'Arménie avec ses même pas 3 millions d'habitants ou la Grèce avec ses 10 millions d'habitants face à une Turquie de, de plus de 80 millions Erdogan joue avec euh, cette phobie, en fait. Euh, lors, des, lors des dernières élections, certains Turcs pensaient réellement qu'un nouveau traité de Sèvres pouvait euh, être imposé à la Turquie. Et d'ailleurs, cette peur du dépeçage intervient également sur le sujet du génocide arménien. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet avec des Turcs, sujet hautement sensible, vous vous en doutez. Hein. Euh, souvent, c'est le même cas euh, de figure qui se reproduit. D'abord, arrive le déni dans la discussion, puis quand on fait comprendre qu'on n'est pas tout à fait dupe, euh, c'est la reconnaissance à demi-mot mais avec, justificati avec justification. Euh, les Arméniens auraient été des, des agents des Russes lors de la Première Guerre mondiale, donc ce fameux ennemi de l'intérieur. Et quand on pousse encore le sujet, euh, cela se termine souvent par euh, oui, euh, nous reconnaissons, en effet il y a eu le, un drame, euh, mais euh, si, nous, si nous reconnaissons euh, le génocide, ils demanderont des terres. Donc encore et toujours la peur du découpage du pays. Euh, D'ailleurs, certains, certains auteurs qui ont révélé que dans certains villages de Turquie, on parlait encore le grec, ont été poursuivis par les autorités pour tentative d'hellénisation du pays. Parler du génocide arménien est vu comme une tentative de déstabilisation de la nation. Et il faut savoir, cela s'explique euh, par le syndrome de serre que certains Turcs pensent constamment qu'un complot international se trame contre eux. Quand j'ai euh, quand, quand entendu ça, ça m'a fait euh, légèrement sourire tout de même. Euh, moi qui viens de l'extérieur, justement, je voulais euh, répondre à cela que... Euh, euh, les Turcs ont peur du complot international en, en, en gestation contre eux, mais euh, ils ne savent pas que presque 80% des Français euh, ne sauraient même pas placer la Turquie sur la carte. En 2016, par exemple, après le coup d'État manqué, euh, dont on ne connaît toujours pas l'origine, Erdogan déclare, je cite, si ce coup d'État avait réussi, il nous aurait imposé des injonctions encore pires que Sèvres. Ou encore en, 2000, en 2021. Je cite, à la moindre faiblesse, nous, avons, nous savons parfaitement qu'ils viendront revendiquer la terre de notre patrie. Le jour où nous montrerons la, le moindre signe de relâchement, ils se dresseront face à nous avec des injonctions encore pires que c'est vrai. Il y en a beaucoup d'autres. Erdogan, euh, évidemment, je, je pense, ne croit pas à cela. Il joue de cela, mais en revanche, son opinion publique y croit. Et finalement, ce n'est pas véritablement sur une nostalgie de l'Empire Ottoman qu'Erdogan obtient un un soutien populaire à ses interventions, mais plus un, sur un nationalisme inquiet, comme l'écrit euh, Anand Lower dans son ouvrage « La Turquie d'Erdogan ». Tout comme euh, ce que je, euh, je nomme le syndrome du squatter, le syndrome de Sèvres euh, explique aussi en partie la diplomatie agressive de la Turquie à, à l'international. En fait, finalement, cela nous enseigne une chose, euh, la Turquie n'est absolument pas sûre d'elle-même. C'est un pays très fragile, contrairement à l'image qu'elle renvoie, mais attention, euh, fragile ne veut pas dire euh, qu'il n'est pas dangereuse à certains égards, au contraire, cela, euh, cela la rend imprévisible. Enfin, un dernier élément de compréhension, euh, cela est lié à, à ce qui vient d'être dit avant. Erdogan a lié sa personne à celle de l'État. Il a scellé son destin à celui de la Turquie. L'État, c'est lui. On pourrait dire, euh, oui, on, pour, on pourrait véritablement dire comme, euh, que l'État c'est devenu lui. Après 20 ans au pouvoir, euh, que sera la Turquie sans Erdogan Certains Turcs euh, aux dernières élections pensaient que l'État ne tiendrait pas si Erdogan n'était pas réélu. Donc, euh, oui, sur ces, sur ces dernières élections en 2023, il y a eu énormément d'irrationnels, mais un peu comme dans chaque élection hein, finalement. Euh, Erdogan a réussi à faire croire à toute une partie de l'électorat qu'il s'apprêtait à voter pour la survie de la nation turque, euh, contre sa disparition imminente. Et évidemment, cette survie, euh, celui lui peut l'assurer. La Turquie est un, en fait un grand théâtre où l'on rejoue le drame fondateur. Ce drame qui, en fait, a permis la cohésion du peuple, du peuple turc pour, pour faire nation. On rejoue ces scènes en se, en, en se trouvant des ennemis imaginaires, euh, comme si ce pays, qui repose sur une identité fictive, pour exister, pour maintenir la cohésion, devait se battre contre des fantômes. Comme si, pour continuer à vivre, la Turquie devait se trouver des ennemis imaginaires contre lesquels se battre. Tout ça est vraiment très intéressant. Pour interroger toutes ces ambiguïtés, même ces inquiétudes du, du nationalisme turc, euh... Comme vous l'avez dit, il serait peut-être judicieux de se tourner vers les différents conflits extérieurs qui tourmentent alors la, la Turquie. Je propose que on, on dise quelques mots de, de l'Arménie, avec le présent conflit entre ce pays et l'Azerbaïdjan. Quelle est l'attitude la, de la Turquie vis-à-vis -vis de ce conflit Donc, je, je précise avant de, avant de répondre que là, on touche à des sujets euh, euh, d'actualité. Donc, on a très peu de recul par rapport à tout ça. Et donc, je ne suis pas euh, reporter de guerre, euh, ni, euh, ni même dans les ministères. Donc, il serait fort euh, prétentieux de ma part euh, de prétendre expliquer avec certitude ce qui se passe véritablement dans les, dans les différents conflits, ainsi que les, les aboutissants de tout cela. Je vais me contenter de mettre en lumière quelques éléments afin de mieux cerner la situation. Euh, je tiens également à préciser qu'à euh, qu l'exception d'un cas, euh, celui de la politique du Mavivatan, nous en parlerons. Les guerres dans lesquelles sont engagées la Turquie sont en contradiction avec le nationalisme turc, avec le kémalisme, qui lui prenait justement un isolationnisme. Alors, déjà quelques petits rappels sur le conflit en Artsa. Donc, en, en juillet 1921, sur la, sur la volonté de Staline, le parti bolchévique rattache le Haut-Karabakh à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. En 1991, lors de la dislocation de l'Union soviétique, le Haut-Karabakh proclame son indépendance. Une guerre éclate. En mai 1994, un cessez-le-feu est obtenu et des négociations pour résoudre le conflit sont organisées dans le cadre du groupe de Minsk. En septembre 2020, l'armée azérie bombarde Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Euh, C'est le début d'une nouvelle guerre. Le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan soutient l'Azerbaïdjan euh, en envoyant du matériel militaire et du personnel, notamment des drones Bayraktar et des mercenaires djihadistes syriens. Un accord de cessez-le-feu est signé le 10 novembre 2020. L'Artsar perd la majeure partie de son territoire. Le 19 septembre 2023, l'Azerbaïdjan attaque le Karabakh euh, sous prétexte d'une opération antiterroriste, c'était le, le terme. Maintenant, euh, parlons d'une région, le Sionic, car désormais le Haut-Karabakh a été perdu. Le Sionic, c'est le Mars, la, la région la plus au sud de l'Arménie. Euh, après l'Artsar, c'est euh, sûrement dans cette zone qu'auront lieu les prochains conflits entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le, le Sunni sépare l'Azerbaïdjan de sa province du Naritchevan et surtout de la Turquie, pays considéré comme euh, une, nation, euh, une nation sœur. Dans, dans un premier temps, l'objectif d'Erdogan et d'Aliev est de créer un corridor. C'est le projet du corridor de Zangezouche, qui euh, passerait par le Sionic arménien. Celui-ci permettrait euh, d'établir une connexion territoriale via la mer Caspienne euh, entre la Turquie et le reste des pays turcophones jusqu'en Mongolie. Ce projet est le fruit euh, de l'idéologie panturquiste l'idéologie prônant l'union des peuples turcophones musulmans au sein d'un même État, du moins à première vue, il a l'air d'avoir un lien tout de même avec cette idéologie. Euh, concernant donc le, le, sûrement le prochain conflit au, au Sionique, euh, ce n'est pas un hasard, c'est suite à la victoire de l'Azerbaïdjan au Karabakh, et Erdogan et Aliyev se sont rencontrés au Naritschevan, euh, dans la province du Naritschevan. Le, le président turc euh, et le président Azeri, Lamaliyev, s'était rencontré le, le 25 septembre donc, euh, dans cette enclave. Les deux dirigeants ont, ont lancé euh, la construction d'un gazoduc de 85 km entre l'est de la Turquie et le Naritchevan et, et ont inauguré un complexe militaire. L'objectif d'Erdogan et d'Aliyev est, est, est donc l'ouverture euh, d'un corridor, le corridor du Zangezur, dans le sud de l'Arménie euh, pour, euh, pour pouvoir permettre de, de faire passer ce, ce gazoduc. Il y a d'autres conflits dans lesquels la Turquie est engagée, c'est le cas en Libye où la Turquie soutient le gouvernement de Tripoli face au maréchal Haftar, euh, le cas de la Syrie où la Turquie combat des troupes et des groupes terroristes kurdes. Mais je vais ici me focaliser sur un conflit rampant, une guerre qui n'est pas déclarée. Je parle des tensions méditerranéennes entre la Turquie et la Grèce. Ces tensions sont liées à la politique turque dite euh, Mavivatan, c'est-à-dire la patrie bleue. La patrie bleue, Mavivatan en turc, c'est une doctrine géopolitique et juridique dont l'ambition est la protection des intérêts nationaux de la Turquie en mer Égée, euh, Méditerranée et en mer Noire. Mavi Vatan prône une réelle politique euh, faisant normalement fi des désaccords religieux ou politiques avec les États euh, pour simplement servir les, les intérêts de la Turquie. Elle a pour principal objet la revendication d'un vaste territoire maritime, d'un vaste domaine maritime, la patrie bleue. Alors pour comprendre ce qui suit, euh, nous devons faire quelques rappels. Euh, la zone économique exclusive ZEE, définie par l'article 56 de la Convention de Montego Bay, euh, adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 82, correspond à l'espace maritime exploitable par un État riverain exerçant sa souveraineté et des droits économiques en matière d'exploitation des ressources naturelles. La ZEE s'étend euh, des côtes jusqu'à 200 000 marins. Au large, euh, soit environ 370 km. Elle ne doit pas être confondue avec les eaux territoriales, parties de la mer sur laquelle s'applique la souveraineté d'un État côtier, espace pouvant aller jusqu'à 12 000, donc euh, environ 22 km de la côte. La Turquie n'a pas signé la Convention de Montegobe de 1982 sur le droit de la mer. D'après les autorités turques, il y a donc un vide juridique sur la question de la délimitation des frontières maritimes, puisque ces dernières sont déterminées par la Convention en question. Le pays doit donc directement traiter avec la Grèce et les autres États riverains pour déterminer ses frontières. Concernant les, les eaux territoriales, donc partie de la mer sur laquelle s'applique la souveraineté d'un État côtier, les deux nations revendiquent actuellement une zone de 6 000 autour de leur côte. Conformément à la Convention de Montego Bay, il est possible de porter cette zone à 12 000. Euh, la Turquie considère que cette augmentation conduirait euh, à, à, à une répartition inéquitable de la souveraineté sur la région. Si la Grèce prenait l'initiative, cela constituerait pour la Turquie un, un casus belli. Alors, selon les amiraux euh, à l'origine de la doctrine de la patrie bleue, James euh, Guldenis et Giacchiaro et Soner Polat aussi, la limite des 200 000 marins de ZEE ne convient pas. Un espace euh, Ne convient pas à un espace euh, constitué de nombreuses îles, comme c'est le cas en, en mer Égée et dans une partie de la Méditerranée. Dans ce cas, la Grèce disposerait d'un immense domaine maritime en raison de sa souveraineté sur, euh, sur des îles qui sont en fait très proches hein, des côtes turques. Elle asphyxierait la Turquie. Un bon exemple est l'île de Castelorizo en Méditerranée, située à, à, à simplement 2 km de la côte turque. Et celle-ci permet à la Grèce de revendiquer un vaste espace maritime faisant barrage à la Turquie entre Rhodes et Chypre. L'amiral euh, Dziadjadj relève que l'île de Castelorizo dépend du plateau continental anatolien et non pas grec. Selon lui, cela euh, exclut les revendications maritimes grecques. Les défenseurs de la patrie bleue souhaitent également la démilitaris démilitarisation des îles grecques proches de la côte turque. Là, en fait, en l'espèce, la Turquie se considère euh, comme emprisonnée par ses rivages et a l'impression d'être euh, lésée. Cela entraîne, cela entraîne des pressions continues de la part de la Turquie dans la zone contestée. Par exemple, en, en août 2020, a eu lieu une escalade de tensions. L'origine est le déploiement par Ankara d'un navire de recherche sismique, l'Orochleis, euh, escorté par des navires militaires dans la ZEE grecque. La France, un des seuls pays de l'Union européenne à avoir réagi, euh, s'est interposée et a pris cause pour la Grèce. Euh, la même année, en juin, des tensions avaient déjà eu lieu d'ailleurs entre la France et la Turquie au large des côtes libyennes. Une frégate française, le Courbet, euh, avait, fait, euh, avait été menacée, euh, intimidée par la marine turque. Il y, a des, il y a eu des découvertes de gaz en, en Méditerranée et cela a accru l'attractivité euh, économique de la région. Euh, sans être l'unique motivation ou revendication, les intérêts économiques en Méditerranée orientale sont vraiment importants. La compétition dans la région s'est intensifiée suite à la découverte de ces gisements gaziers. Donc, il y, a, il y a eu un navire de recherche euh, de pétrole et de gaz, le Reis, qui avait été envoyé, euh, on en a parlé juste avant, par la Turquie, sonder ces eaux en recherche euh, pour, pour rechercher l'hydrocarbure. En les envoyant dans ces zones contestées, le pays a évidemment euh, réaffirmé des, apais, des appétits territoriaux dans la zone. Il est important de noter que les créateurs de la Patrie bleue ne s'identifient pas à l'islam politique. Ils se revendiquent au contraire du kémalisme dans la continuité de la guerre d'indépendance, euh, ayant permis à la Turquie naissante de conserver le territoire anatolien, le pays devrait désormais en fait, s'appuyer sur son armée pour récupérer euh, cette patrie bleue qui l'entoure, c'est-à-dire débloquer les mers autour du pays. Euh, les créateurs de, donc, du Mavivatan pensent ainsi continuer euh, finalement la lutte de, de Kemal pour l'indépendance de la Turquie. Même si Mavivatan présente des contradictions avec la vision géopolitique des islamo-conservateurs de, de l'AKP, la doctrine fut reprise par le président Recep Tayyip Erdogan pour plusieurs raisons. D'abord, elle lui donne l'occasion d'offrir un cadre juridique à son action en Libye, de contrebalancer les échecs de sa politique économique par des semblants de succès à l'extérieur. Et enfin, la découverte de l'exploitation de, de, de gisements gaziers permettrait à la Turquie de, de réduire sa dépendance russe en hydrocarbures. Le cas de la Libye est, est primordial pour, pour comprendre la convergence entre les amiraux de la patrie bleue et le président turc. Suite à la chute de Muammar Kadhafi, la Turquie s'est engagée aux côtés des frères musulmans libyens. L'accord du 28 novembre 2019, dessinant une ZEE avec la Libye, permet à Erdogan de se présenter en fait comme un défenseur des intérêts nationaux turcs en barrant un potentiel axe maritime gréco-égyptien, car dans cette affaire les deux, les deux pays sont liés, et également de légitimer sa coopération avec le gouvernement de Tripoli. Ma Vivatan, c'est en fait pour l'AKP un outil justifiant son soutien aux frères musulmans face au maréchal Haftar, en, en quelque sorte. Je vais, euh, vais m'arrêter là pour les exemples de conflits dans lesquels sont engagées la Turquie. Euh, cela risquerait d'être indigeste, euh, lourd et technique. Cependant, je vais m'attarder sur quelques éléments. On remarque que dans ces conflits, il y a des éléments qui ressortent. D'abord, les hydrocarbures. Ils ne sont jamais très loin sous forme de gisements euh, comme en Méditerranée ou sous forme de gazoducs et d'oléoducs en provenance d'Azerbaïdjan, il y a un lien étroit entre les interventions de la Turquie à l'étranger et l'énergie. La Turquie est extrêmement dépendante énergétiquement et elle cherche à s'émanciper notamment de la Russie, car la Turquie est dépendante à, à 45% de la Russie pour son approvisionnement en gaz. Euh, il faut savoir que jusqu'à la, jusqu l'année dernière, il n'y avait pas euh, de centrale nucléaire en Turquie. La centrale d'Akkoyo a été construite d'ailleurs par les Russes. Par Rosatom. L'objectif sur le long terme est pour la Turquie de devenir un hub gazier. Il y a déjà Blue Stream et Turkish Stream en provenance de, de Russie, l'oléoduc Bakou-Tiblis-Jayan, et il y a aussi un projet de corridor gazier avec Israël qui pourrait relier le champ gazier de Léviathan à l'Europe. Et aussi un projet avec Kaliev. En fait, le corridor de en permettrait de faire passer un gazoduc uniquement en territoire allié pour la Turquie. C'est un des objectifs d'Erdogan. Ensuite, euh, ces interventions, euh, cela permet à, à Erdogan de tourner le regard euh, de, de l'opinion publique vers l'extérieur pour éluder euh, des problèmes internes, euh, comme l'économie, euh, qui est véritablement son talon d'Achille. Je pense, et là c'est ma conviction personnelle, euh, qu'Erdogan aussi use de beaux tours de passe-passe, euh, la défense de la patrie en Méditerranée ou le panturkisme au Karabakh, en fait, pour avoir quelque chose de, de plus sexy, entre guillemets, à raconter à son opinion publique. Euh, je caricature un peu, mais dire euh, que l'on soutient un régime qui va entrer en guerre contre un peuple juste pour, in fine, faire un tuyau avec du gaz, euh, ça passe sûrement moins bien que d'établir une continuité territoriale avec euh, les peuples frères, euh, entre guillemets, d'Asie centrale et la mère patrie euh, mongole. Au, au niveau du narratif, quand même, ça, ça a plus d'allure. Euh, ensuite, euh, il y a beaucoup de, de bluffs aussi, je, je pense, de la part d'Erdogan. Alors, ça va prendre avec des pincettes, euh, car je, il suffit que je, je dise ça et que finalement il se, il se passe véritablement quelque chose. Mais euh, il fait euh, planer le doute euh, d'une remise. Euh, il avait fait planer le doute d'une remise en cause euh, du traité de Lausanne euh, et des frontières actuelles de la Turquie. Et pour l'instant, en fait, rien, rien ne s'est passé. Euh, cela n'a pas eu lieu. Il menaçait les Grecs, je, de, je cite, de venir les envahir la nuit. Euh, cela n'a pour l'instant pas eu lieu non plus. En fait, il y a beaucoup de coups de gueule euh, de la part d'Erdogan on secoue l'arbre pour voir ce qui tombe finalement, et cela lui permet de se présenter comme un homme fort devant son opinion publique. Alors, vous avez parlé des, des Arméniens, vous avez parlé des, des Grecs et de tous ces, ces rapports de la Turquie dans le monde méditerranéen, mais on n'a pas encore vraiment parlé des Kurdes. On connaît généralement peu de choses de ce peuple en Occident, hormis qu'il lutte depuis, depuis fort longtemps pour son autodétermination. Pourriez-vous nous dire quelques mots de ce peuple Quelles sont ses spécificités par rapport aux au Turcs En quoi le conflit avec les Kurdes est-il particulièrement révélateur, selon vous, des impasses ou des ambiguïtés du nationalisme turc moderne Alors, les Kurdes euh, seraient en fait les descendants des Mèdes, un peuple venu d'Iran. Ils ont leur langue propre, issue du persan, différente du turc. Ils, sont, euh, ils ont même plusieurs dialectes, en fait. Il euh, n'y en a pas qu'un. Ils nomment leur zone de peuplement Kurdistan. Ils sont répartis entre la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Ils ont des traditions qui sont assez éloignées des Turcs et sont en fait dans les mœurs plus proches des Arabes. Ils ont une organisation clanique, ce que l'on nomme en Turquie les, les ashiretler, qui sont en fait presque des organisations mafieuses, presque. En Turquie, les Kurdes vivent principalement dans la zone sud-est du pays. Il est assez difficile de connaître leur nombre exact. Sûrement 15 millions, les Kurdes, eux, parlent parfois de 20 millions, mais euh, ce, qui est, ce qui est en fait exagéré de leur part, puisque gonfler ce chiffre euh, leur, leur est favorable pour euh, légitimer euh, leur projet d'État kurde indépendant. Les Kurdes se sont convertis euh, à l'islam au contact euh, de l'envahisseur arabe, donc au, au 7e, 8e siècle, donc avant, avant Malazgirt, avant Manzikert. Donc vous allez voir, euh, je vais vous allez me voir venir, je retombe sur mes pattes. Euh, ça fait désormais euh, plusieurs heures de vidéos que j'essaie d'expliquer que les turcs sont en fait des gréco-arméniens qui, en se convertissant à l'islam, se sont assimilés euh, identitairement parlant à l'envahisseur turc. Eh bien, ce processus de turquisation n'a pas eu lieu pour les kurdes puisqu'ils étaient déjà musulmans. Ils se sont donc toujours euh, souvenus de leur spécificité. Les kurdes sont globalement, au niveau de la religion, plus conservateurs que les turcs. Et chose à noter aussi, euh, sociologiquement, ils font plus d'enfants. Que, que, les, que les Turcs. Euh, les Kurdes ont un grand personnage dans leur histoire, c'est Saladin, Saladin, le fameux personnage des croisades euh, qui s'est euh, battu face à Richard, Richard Coeur de Lion. Le mouvement kurde pour l'autonomie débute au début du XXe siècle, avec la montée des nationalismes dans l'Empire Ottoman, évidemment. Le traité de Sèvres prévoyait un Kurdistan, euh, le traité de Lausanne, lui, n'en prévoyait plus. Les Kurdes ont joué un rôle important dans les tentatives d'islamisation de la Turquie. Euh, D'abord avec la révolte menée par Sheikh Said, mais également on peut citer euh, Saïd Nursi, euh, père spirituel de Fethullah Gulen. Il y a un, un conflit armé avec euh, les Kurdes dans le sud-est de la Turquie. Euh, Celui-ci a fait au moins 40 000 morts depuis les années 80. C'est un, vraiment un conflit important. Il y a plusieurs groupes, mais euh, celui qui nous intéresse pour la Turquie, c'est le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan. Qui est en fait un groupe terroriste, il faut le préciser. Euh, ils font notamment des attentats à la bombe dans les, dans les centres-villes. Cela tue des, des civils. Euh, C'est une de leurs techniques. Hein. Je, je précise parce que pour l'instant, je n'ai jamais vu euh, euh, dans un seul article le PKK étant désigné par les journalistes comme un groupe terroriste. Euh, selon les causes, les journalistes ont, ont certaines pudeurs. Euh, surtout que ce groupe est reconnu comme terroriste par l'Union européenne, hein, donc, et pas uniquement par l'Ankara. Pas uniquement par l'Ankara. Euh, le PKK a des méthodes peu recommandables. Il pratique l'enrôlement forcé des enfants dans les montagnes, la levée d'un impôt révolutionnaire obligatoire chez les ménages kurdes. De nombreux Kurdes en fait, subissent la présence du PKK. Il y a, il y a des ramifications de ce groupe en France et ils ont euh, la sympathie d'un certain parti euh, de gauche dont je tirais le nom. Le PKK a été fondé en, en 1978 par euh, Abdullah Öcalan. Euh, Apo pour les, les intimes, c'est son petit nom euh, en Turquie. Euh, le conflit fait euh, suite au lancement d'un projet euh, GAP, du néanadolu Projet euh, par l'État turc. Un, un projet ayant pour but de développer le sud-est du pays via des barrages et des canaux d'irrigation, notamment, mais pas que, afin de mieux intégrer les Kurdes dans la société turque. La présence et les projets de l'État turc ont gêné. Euh, car c'est ça, en fait, le cœur du conflit. Juste chez nous, on a tendance à voir la Turquie comme, un, euh, comme ayant eu une volonté d'opprimer les Kurdes, euh, les excluant de la société ou une volonté de les marginaliser. En fait, c'est l'inverse. C'est la volonté d'assimiler pleinement les Kurdes à la société turque qui est à l'origine du conflit. Il y a une volonté d'assimilation des, des Kurdes et, et les Kurdes refusent au nom de leur spécificité. Par exemple, euh, avant, les, les, les Kurdes étaient appelés les « turcs des montagnes ». Il y a au contraire de la part de l'État turc véritablement une volonté de gommer les différences et d'assimiler les Kurdes. D'un côté, l'État leur dit euh, Vous êtes turc euh, et ils répondent euh, "Bah non, on, on est kurdes. Et c'est là vraiment l'origine de, de, de cette tension. Ce, les Kurdes vont, vont à l'université et s'ils le souhaitent, ils peuvent accéder à tous les postes. Il y a eu un président de la République de Turquie kurde, Özal, euh, l'ancien patron du mythe, les services secrets de renseignement turcs, Akan Fidan, est kurde. Euh, maintenant, il est, il est même ministre des Affaires étrangères, donc le problème ne se trouve pas là du tout. Le problème, euh, il remonte à la création de la Turquie. Les Turcs pensaient euh, qu'en tant que musulmans, les Kurdes feraient de, de très bons Turcs, puisque, encore je le rappelle, la turcité est en fait un élément religieux en Turquie, sauf que les Kurdes n'ont pas voulu s'assimiler, euh, ils n'ont pas accepté l'identité euh, imaginaire qu'on leur proposait, et donc ce conflit repose sur ce dialogue de sourds entre un État qui leur explique... Euh, euh, qu'ici il n'y a que des turcs et vous ne pouvez pas ne pas être turc puisque cette nation est turque. et de l'autre côté, euh, les kurdes qui revendiquent euh, une spécificité. Euh, et évidemment aussi, il faut le, il faut le noter, euh, le, le kurdistan apparaissant dans le, en, dans le traité de sèvres, euh, donc les, vo les volontés d'indépendance kurde rappellent euh, le traumatisme, le traumatisme ori originaire euh, euh, des, originels des turcs euh, politiquement. Les Kurdes ont des mouvements dans l'échiquier politique turc euh, généralement très à gauche. Un qui a fait parler de lui, c'est le HDP, la HDP, un parti LGBT, féministe et kurde. Aux élections de 2014, il avait fait quand même 13%, ce n'est pas négligeable. Selon, euh, alors cependant, euh, les Kurdes sont globalement aussi conservateurs et beaucoup votent pour Erdogan. Il y avait une tentative de, de résolution du conflit lancée par Erdogan, mais celle-ci n'a pas abouti, et depuis le conflit, euh, le conflit euh, a repris. Euh, actuellement, Abdullah Ojalan, le chef du PKK, est, est incarcéré à la prison d'Imral, en mer de Marmara. C'est en quelque sorte un peu cette prison, l'Alcatraz le, le, turc. Donc je pense que le, le conflit euh, kurdo-turc est révélateur des limites de la logique nationaliste turque, car euh, en fait il vient stopper euh, cette logique de turquisation euh, de la population en, en, en Anatolie. Il dit non, nous ne sommes pas turcs et, et nous n'acceptons pas cette, euh, cette, cette, euh, cette identité artificielle. Oui, donc on voit quand même qu'il y a beaucoup en effet d'ambiguïté, de, de, de soubassement derrière ce, ce nationalisme euh, turc. Alors sur un autre, euh, un autre point qui me paraît essentiel, on a vu donc euh, que le Kemalisme, que la, la volonté de Kemal était... D'arracher, d'éloigner la Turquie du monde musulman et de l'arabité. Or, on voit aujourd'hui que la, Tur la Turquie moderne cherche plutôt à s'imposer à nouveau comme le leader du monde musulman au Moyen-Orient. Pour cela, elle se trouve en, en compétition avec l'Arabie Saoudite ou avec l'Iran en particulier. Est-ce que vous pourriez nous parler de, de, de son attitude à l'égard de ces pays Alors, les, les relations entre ces pays sont évidemment conflictuelles et finalement ont toujours été à travers les âges. Il y a eu des grands affrontements entre les Arabes et l'Empire byzantin, puis des révoltes des Arabes au sein de l'Empire ottoman. Euh, il en est de même avec les, les Grecs et les Perses, puis les Byzantins et les Perses, les Byzantins et les Sedjoukides, les Ottomans et l'Empire perse. Il y a historiquement une constante en matière de tension entre ces pays. Ces trois pays sont des rivaux naturels en fait, et aujourd'hui la compétition se fait pour le leadership du monde musulman. Alors, juste une, comme ça, pour une petite phrase que j'ai trouvée quand même très intéressante. Vous voyez donc le drapeau de la Turquie, le, le croissant et l'étoile. Vous connaissez aussi sûrement peut-être le drapeau de l'Iran avant la révolution islamique. C'était un, un lion solaire, un lion avec un soleil. Donc, le Shah Nahame, le livre des rois, un des piliers de la littérature perse, faisait dès le XIe siècle une opposition entre le roi de Perse, qualifié de soleil de l'Iran, et l'empereur byzantin. La lune de l'Ouest. Enfin, J'ai trouvé quand même que ce parallèle était assez, euh, assez intéressant et résonne en fait encore aujourd'hui à des siècles euh, à des siècles de distance. Belle continuité historique. Alors l'Iran est un rival de la Turquie car l'Iran déjà est chiite et la Turquie sunnite. L'Iran est un allié de circonstance hein, bien sûr de l'Arménie et pour l'instant l'Iran euh, bloquerait la création d'un du, corridor dans le Sionique, le corridor de Zanghezo, afin de ne pas avoir à sa frontière deux États. Euh, la Turquie et l'Azerbaïdjan liés. Dans la course au leadership du monde musulman, l'Iran a marqué euh, des points avec euh, cette déstabilisation euh, de la région euh, dans l'actuel conflit entre Isra Israël et euh, le Hamas, qui est, qui est piloté euh, euh, par l'Iran indirectement. Euh, à noter, en euh, formation plus légère aussi, euh, dans les relations entre euh, l'Iran et la Turquie, que beaucoup d'Iraniens euh, viennent euh, s'encanailler à en fait, euh, Istanbul euh, pour faire euh, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire euh, chez eux en Iran. Et il y a beaucoup d'Iraniens euh, à Istanbul qui viennent, euh, qui viennent faire la fête, euh, faire la tournée des bars euh, euh, et des boîtes de nuit. Euh, concernant maintenant les rapports à l'Arabie Saoudite, euh, donc déjà l'Arabie Saoudite est détentrice des lieux saints de l'islam. Donc cela lui donne un, un avantage pour avoir le leadership dans le monde musulman. C'est également le pays euh, de Mahomet. Euh, ses, ses relations avec la Turquie euh, d'Erdogan ont longtemps été tendues euh, les deux pays s'étaient brouillés. On peut parler aussi de l'affaire Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien qui avait été assassiné dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Ça avait créé des tensions diplomatiques entre les deux pays. De plus, le mouvement des frères musulmans auquel Erdogan est affilié est combattu par l'Arabie saoudite. Cette monarchie est contre le système démocratique utilisé par les, frères, par les frères musulmans. Cependant, il faut ajouter que face à de nombreux soucis en matière économique, Erdogan a tendu la main à l'Arabie Saoudite euh, ces derniers temps afin d'obtenir des investissements de leur part. Juste avant les élections de 2023, l'Arabie Saoudite a notamment injecté plusieurs milliards de dollars dans l'économie turque euh, pour limiter la chute de celle-ci avant l'élection, afin évidemment de favoriser la réélection d'Erdogan. On voit en fait que tout ceci est, est tout de même assez, euh, assez trouble, assez confus et euh, c'est quand même nébuleux, c'est quand même brumeux. À noter également, euh, comme, la, comme avec les Iraniens, une information euh, plus légère il euh, y a des Saoudiens qui viennent énormément en vacances en Turquie. Il y a beaucoup, beaucoup de touristes saoudiens en Turquie. Et des passeports turcs euh, leur sont même délivrés euh, pour tout achat immobilier supérieur à 400 000 dollars. Euh, cela, évidemment, pour les, pour les inciter, euh, pour les inciter euh, à investir. Euh, cela ne concerne pas uniquement les, les saoudiens, mais cette mesure leur a été tout de même, enfin, était tout de même destinée euh, aux saoudiens. Peut-être, euh, ça serait intéressant de parler un peu euh, de, de la situation en Israël. Oui, tout à fait. Et concernant euh, Israël, quel est le, le rapport de la Turquie vis-à-vis -vis de ce pays Est-ce que, euh, pour, euh, pour justement incarner ce rôle de leader du monde musulman, Erdogan adopte une position anti-israélienne ou encore une fois, les relations sont beaucoup plus troubles qu'elles n'y paraissent. Alors, euh, là actuellement, oui, euh, Erdogan a adopté une, une, une position totalement anti-israélienne, euh, anti mais euh, il y a encore peu, c'était quand même assez trouble. Et peut-être que ça va le redevenir d'ailleurs. Euh, au début de la, de, la, de la riposte israélienne à Gaza, Erdogan est resté euh, mesuré dans ses propos, réfléchi, pour deux raisons. Les relations entre les deux pays venaient de se réchauffer et Erdogan et Netanyahu s'étaient rencontrés en septembre à New York. Ensuite, la Turquie pensait pouvoir être comme avec l'Ukraine et la Russie, un médiateur dans le conflit. Il y avait même eu des tentatives de médiation pour libérer les otages. On peut ajouter aussi à cela qu'il y a, on en a parlé un peu avant, un projet de couloir gazier entre Israël et la Turquie. Erdogan a changé radicalement de ton suite à l'explosion survenue à l'hôpital de Gaza. Dans la même soirée, 80 000 personnes descendent manifester devant le consulat israélien à Istanbul. Et la classe politique turque accuse Erdogan de ne pas prendre parti dans la situation depuis quelques jours. Après cela, en fait, Erdogan est retombé dans la caricature en accusant Israël d'être un État génocidaire, d'être un État terroriste. Il a participé aussi samedi dernier à une grande marche pour la Palestine où il invectivait l'Occident. Euh, récemment, Israël a rappelé ses diplomates et Ankara a rappelé son ambassadeur. Donc, en fait, Erdogan est retourné dans le rôle dans lequel il était attendu, finalement, pour marquer des points dans la course au leadership dans le monde musulman. Très bien, et ça, ça m'incite à vous poser une, une dernière question sur l'idéologie sur d'Erdogan. De vous avez dit un peu plus tôt qu'il était faux de le qualifier de, de néo-ottoman, que les nostalgies d'Erdogan de, étaient n'hésitez pas à chercher de ce côté-là. Vous avez parlé de toutes les ambiguïtés de ce nationalisme inquiet qu'est le nationalisme turc. Peut-on vraiment affirmer que Erdogan est un nationaliste turc, comme on le fait très souvent également dans, dans les médias occidentaux Ou le qualifieriez-vous euh, différemment Alors, euh, je précise que n'étant pas dans la tête d'Erdogan, euh, je vais me garder de prétendre savoir exactement ce qu'il pense, car hormis lui, euh, personne ne peut le savoir. Cependant, au vu de l'histoire récente, je vais essayer de brosser un, un tableau pour tenter de cerner euh, ce qu'il y a à retenir de la politique d'Erdogan. Donc non, je ne pense pas qu'Erdogan soit un nationaliste. Contrairement à ce qu'on entend euh, constamment à, à la télévision, Erdogan n'est pas un nationaliste, ni un ultranationaliste, ni un géga-tétranationaliste non plus. Déjà, j'ai du mal à comprendre cette nouvelle manie de parler d'ultranationalisme comme on, ils peuvent le faire sur les plateaux télé. On est nationaliste ou on ne l'est pas et il n'y a, a pas de gradation dans le nationalisme. Mais aujourd'hui, malheureusement, on ne comprend plus tout à fait le sens des mots et, et on mélange tout. Le nationalisme, c'est la volonté de doter chaque peuple d'un état de nation qui lui est propre. Le nationalisme, en gros, grossièrement, c'est chacun chez soi, pour faire bref. L'expansionnisme, l'interventionnisme, l'étalement chez le voisin ou parfois même plus loin, la construction d'un grand ensemble, ce n'est pas du nationalisme, c'est de l'impérialisme ou, ou du pan-islamisme, du pan, du pan du arabisme Quand, quand l'Angleterre avait colonisé la moitié du monde et nous l'autre moitié, on parlait d'Empire britannique, on ne parlait pas de nation coloniale britannique. La nation et l'Empire s'opposent. Et en général, d'ailleurs, c'est intéressant d'observer que ce sont les mêmes personnes qui viennent de passer dix minutes à expliquer... Euh, euh, à l'antenne que Erdogan est un, un nouveau sultan euh, qui rêve de reformer l'Empire pour ensuite euh, vous dire très, de façon très à l'aise que Erdogan est un ultranationaliste. Bon, C'est quand même un, un, peu fort de, un peu fort de café. Euh, finalement, au lieu d'en apprendre euh, sur la Turquie ou Erdogan, ces personnes nous en apprennent en fait, plus sur, sur nous-mêmes, finalement, sur notre société actuelle. Euh, C'est qu'on ne connaît plus le sens des mots, malheureusement. Hum. Erdogan n'est pas un nationaliste pour une simple raison déjà, c'est qu'il le dit ouvertement d'ailleurs, il dit « Türküm ben Türküm ama Türkçü değilim, ce qui veut dire en fait « je suis turc, oui je suis turc, mais je ne suis pas turquiste », c'est-à-dire en fait en, en bonne traduction « je ne suis pas nationaliste turc ». Et Erdogan, ce n'est pas le nationalisme, puisque d'ailleurs, il a accédé au pouvoir en chassant les nationalistes du pouvoir, les Kemalistes. Euh, je dirais même que sa politique est en fait anti antinationaliste. Erdogan, c'est le panislamisme, c'est l'Oumma, la communauté musulmane, c'est l'universalisme musulman. Erdogan qualifie les Syriens de frères, pour les, pour les Turcs nationalistes, les vrais. Euh, je rappelle que le nationalisme turc, c'est aussi euh, fait en partie euh, par prise de conscience d'une supériorité turque au Moyen-Orient, donc contre les Arabes. Donc c'est un affront en fait de, de dire ça de la part d'Erdogan. Aussi, il y a une forte immigration en Turquie, syrienne, pakistanaise, afghane. Erdogan se sert de ces populations, les laisse entrer afin de participer à l'islamisation de la Turquie. Car ces, ces populations sont beaucoup plus conservatrices que les Turcs. Un deuxième objectif est, est également de leur donner par la suite la nationalité turque. L'AKP pense ici se trouver une, une nouvelle base électorale. Par exemple, aux dernières élections en 2023, sur les 200 000... À peu près 200 000 Syriens euh, qui ont voté, euh, car ils avaient obtenu la nationalité, la très large majorité a voté pour, pour Erdogan, cet entre guillemets ultra-nationaliste. Évidemment, il n'a rien de nationaliste là-dedans. Euh, concernant son idéologie, euh, Ardavan Amir Aslani utilise deux mots que je vais reprendre euh, dékémalisation et islamisation. Ça résume bien sa politique. Euh, Erdogan est certainement un frère musulman, alors je, je ne l'affirme pas, mais en tout cas, il utilise les, les mêmes techniques. Et il fait même leur signe de ralliement, le signe Rabia. Il ne s'en cache même pas d'ailleurs, hein. vous, vous trouverez très facilement des photos. Quand il salue, il ramène le pouce au milieu de la main, c'est le signe Rabia. Donc les, musul... les Frères musulmans, pour rappel, c'est une organisation fondée en 1928 par Hassan al le grand-père de Tariq Ramadan, en réponse à l'abolition du califat par Atatürk. Euh, son projet officiel, la renaissance islamique et la lutte contre l'emprise laïque occidentale, et, et l'imitation aveugle, aveugle du modèle européen. Donc vous aurez compris, euh, là on est en plein dans notre sujet. Les, les frères musulmans sont le premier mouvement islamiste. Alors attention, islamisme, traditionalisme, fondamentalisme sont des notions différentes. Les islamistes sont en costume-cravate et utilisent les mécanismes démocratiques et les arguments occidentaux pour parvenir à leur fin. L'islamisme s'est construit euh, d'ailleurs en partie en réaction à l'entreprise de Kemal, c'est-à-dire contre le kemalisme. Et Erdogan est un islamiste. Je pense que la décadence, a débuté avec l'occidentalisation de l'Empire ottoman, avec les Tanzimat. Les cercles proches du pouvoir parlent d'ailleurs d'une parenthèse de 200 ans. Euh, la Turquie, en fait, avait été créée pour être occidentale. C'était l'objectif de Kemal, l'objectif d'Erdogan est la création d'une, d'une Yeni Turquie. C'est le terme employé, euh, euh, en fait, une, Turquie, une nouvelle Turquie tournée vers l'Orient. Pour résumer, Erdogan, c'est l'islamisme face au kémalisme, c'est l'UMA face, face à l'Occident. Euh, un petit mot aussi sur le, sur le néo-ottomanisme, euh, parce qu'on en parle régulièrement concernant Erdogan. Alors, il ne faut pas tomber dans un piège. Une comparaison hâtive euh, entre Turquie et empire ottoman, c'est confortable, car facile à, à expliquer, mais cela dispense de nuances. Et, euh, et donc, souvent, bah, la situation est quand même plus complexe que ça. Alors, seul le temps nous le dira, bien sûr, mais je pense que la Turquie, en fait, est plus en voie d'iranisation que d'ottomanisation. Grosso modo, la Turquie est plus, les, Turquie est plus en train, euh, lentement, euh, de se transformer en une république théocratique qu'en empire. Euh, et d'ailleurs, comme le pense Belul Oscan, professeur euh, euh, à l'université de Marmara, Istanbul, la politique de, du gouvernement turc ne serait pas néo-ottomane, mais pas islamique. Euh, d'ailleurs, on peut parler de la doctrine d'ahmed davutoglu, ancien conseiller diplomatique d'erdogan, euh, puis ministre des affaires étrangères, puis premier ministre euh, en 2016. Euh, il avait une doctrine connue. Euh, c'était celle du zéro problème avec les voisins. alors, en fait, euh, cela consistait à, à mettre en place des, des régimes, euh, des gouvernements dans les régions euh, autour de la turquie qui seraient favorables, euh, qui seraient alliés euh, au, au régime, euh, au gouvernement d'Ankara. En opposition à la politique nationaliste et isolationniste des kémalistes, euh, ceux-ci souhaitent la construction par la Turquie d'une sphère d'influence où, euh, où c'est elle en fait qui mènerait euh, la danse, qui mènerait le jeu. Dans les années 90, euh, Ahmed Davutoglu expliquait que les dictatures du Moyen-Orient s'effondreraient et qu'elles laisseraient la place à des régimes islamistes sous le leadership turc. Euh, ça rappelle évidemment en fait, les, printemps, euh, les printemps arabes euh, Sauf que manque de chance pour la Turquie, cela n'a pas exactement ça, cela ne s'est pas exactement passé comme prévu, et c'est pour cela que la, la Turquie s'est brouillée diplomatiquement avec Bachar al-Assad en Syrie, qui a conservé sa place, ou avec Al Sisi en Égypte, qui a destitué le frère musulman Mohamed Morsi, ou que la, la Turquie aussi soutient le, le c'est pour ça aussi que la Turquie soutient le gouvernement de Tripoli face au maréchal Haftar. Toutefois, quand vous dites que euh, Erdogan n'est pas un nostalgique de l'Empire ottoman, est-ce qu'on le voit? Pas toutefois une, une utilisation en Turquie de cette imagerie euh, ottomane euh, pour à des fins, euh, à des fins de, de propagande. Est-ce qu'on n'utilise quand même pas cette image-là pour légitimer la, la prépondérance de la Turquie dans le Moyen-Orient Oui, tout à fait. Donc, je, je précise. Euh, cependant, dans une lecture euh, turcisée et islamisée euh, dans l'Empire ottoman, ce, celui-ci est réutilisé. Euh, mais cela efface en fait la diversité de celui-ci. Euh, mais oui, depuis l'ascension d'Erdogan au pouvoir, l'Empire est particulièrement mis à l'honneur. Euh, que cela soit à la télévision, dans les livres, euh, même parfois dans la décoration. Euh, alors que la Turquie s'était construite contre l'héritage ottoman, la Yeni-Turquie, la nouvelle Turquie d'Erdogan, renoue avec cet euh, héritage. Mais encore une fois, en turcisant et en, en islamisant la, la, mémoire, euh, la mémoire de celui-ci. Ensuite, euh, j'aimerais... Euh, parler Un peu de la figure d'Erdogan en tant, en tant qu'islamiste, euh, il a quand même une posture assez intéressante. Euh, c'est un islamiste, mais il est ce que j'appellerais en fait, si je puis dire, l'islamiste de la femme au foyer. Euh, car il faut savoir que le noyau dur en fait de l'électorat d'Erdogan, c'est la femme anatolienne au foyer. Euh, elle ne travaille pas, donc à la fin du mois, elle ne voit pas la fiche d'impôt euh, avec, avec des prélèvements conséquents. Euh, souvent, elle n'est jamais sortie de Turquie donc elle n'a pas de connaissance de ce qui se passe à l'extérieur des frontières et donc d'exemple avec lequel elle pourrait confronter ce qu'elle voit en turquie. Euh, parfois ce n'est euh, absolument pas une énervée mais juste en fait une, une partisane du statu quo. elle euh, écoute et croit religieusement à ce qui est dit à la télévision euh, en fait à la propagande du gouvernement car hormis, Fork, Fork, euh, hormis fox news et jumouliet notamment une grande partie des médias est sous le contrôle de l'état. Euh, car il faut le savoir, il y a un très gros travail de propagande en Turquie. Euh, l'opinion publique est en fait à peu de choses près, euh, proche de la nôtre finalement. Il faut lui rendre des comptes afin d'assurer sa réélection. Euh, Erdogan a besoin de justifier son, son action et ses prises de position auprès de l'opinion. Et pour les mettre en, en condition euh, d'accepter ce qu'il met en œuvre, euh, il y a un gros travail de propagande qui est effectué. Euh, ensuite, deux mots quand même pour comprendre vraiment le personnage euh, de, de la théorie euh, d'Huntington. Euh, donc concernant la, la doctrine d'Armed Davoutolou, euh, zéro problème avec les voisins, donc le, cet objectif euh, euh, d'instaurer des régimes euh, dans les pays voisins qui soient compatibles en fait, avec le gouvernement d'Ankara, qui soient contrôlés, euh, euh, contrôlés par lui. Euh, évidemment, évidemment, ça rappelle, on a en tête la carte du monde de Samuel Huntington, euh, la carte du choc des civilisations. Le monde selon Huntington est composé de plusieurs sphères civilisationnelles l'Occident, le monde orthodoxe, le monde musulman, etc. Et dans chaque civilisation, il y a un pays leader. En Occident, ce sont les USA. Dans le monde orthodoxe, c'est la Russie. Et dans le monde musulman, il n'y en a pas encore. La place est à prendre. Le trône du calife est vide, en fait, si je puis dire. Eh bien, Erdogan a compris que si la Turquie continuait à essayer de s'arrimer à l'Occident, elle ne serait qu'un pays de plus suivant les États-Unis. En revanche, en se tournant vers l'Orient, la Turquie a la possibilité de devenir le leader du monde musulman. C'est ça la Yeni Turkiye, euh, la nouvelle Turquie euh, d'Erdogan. Très bien, alors euh, après c est, c est, c est ce vaste panorama qui est, qui est je pense, très, très approfondi, je voudrais vous poser une, une dernière question, question qui appelle une réponse euh, assez personnelle. Tout d'abord, quels sont les rapports entre la Turquie et l'Europe Et surtout, la question plus personnelle, la Turquie est-elle vouée, selon vous, à s'éloigner de notre continent et a retrouvé une attitude de plus en plus hostile, comme, le par, comme par le passé au fond, euh, ou à reprendre l'œuvre d'occidentalisation entreprise par la A À votre avis, est-ce que la, la Turquie est vouée à, à s'éloigner de, de l'Europe ou euh, à s'en rapprocher Alors, c'est difficile à dire, euh, car souvent ceux qui font des prédictions euh, se trompent. Alors, euh, je ne vais pas jouer les, les Madame Irma, je vais botter en touche. Euh, je dirais, c'est vrai, euh, que c'est un pays où, où tout peut arriver, c'est un pays imprévisible. Entre les coups d'État, les tremblements de terre, euh, la guerre, les crises économiques, tout, tout est possible. Cependant, en revanche, je vais, je vais parler un peu de nous. Euh, je vais être un peu, un peu taquin. Euh, depuis le dernier tremblement de terre, la, la Turquie en fait s'est rapprochée de la Grèce de 4 mètres. Donc, en fait, généralement, on peut dire qu'elle est vouée à se rapprocher de l'Europe. Plus sérieusement... J'aimerais parler de, de, de ce qu'est l'Europe. Euh, Qu'est-ce qu'est l'Europe, en fait, finalement Qu'est-ce qu'on entend par l'Europe Je pense qu'il n'y a, a pas de continent européen. On ne peut pas parler de, de continent européen euh, parce que, dans ce cas, où fixer, où fixer la frontière L'Europe n'est pas une géographie. Qu'est-ce qui nous permet de, de dire que la frontière de l'Europe, c'est le Bosphore euh, Il n'y a pas de montagne entre la Turquie et la Grèce. Euh, cependant, par contre, il y a euh, une chaîne de montagne entre la Turquie et, et, et le reste du Moyen-Orient on pourrait imaginer en fait que la mer noire soit une mer intérieure et que la turquie fasse partie de notre continent européen. si le bosphore marque la, la frontière de notre continent alors pourquoi ne pas considérer l'angleterre avec la manche ou la norvège avec la mer du nord comme des pays extra-européens? l'europe ne peut pas être définie géographiquement car l'europe n'est pas une géographie c'est une civilisation. l'europe c'est une longue construction progressive qui s'est effectuée face à la menace que représentait pour nous l'islam. L'Europe, c'est la prise de conscience du nous face à l'autre, de, de, de nos spécificités face aux autres. Je ne pense pas que l'on puisse d'ailleurs parler d'Europe à l'Antiquité. Euh, la Grèce antique et, et, et l'Empire romain ne sont pas européens. Ils sont des parents de l'Europe, il y a une parenté, mais euh, tout comme nous euh, sommes différents de nos parents, euh, nous sommes euh, des, des personnes distinctes, nous sommes le fruit. Mais euh, nous sommes le fruit de, 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 nos, de nos parents, et nos parents sont différents de nous. Là, je pense que c'est pareil. La Grèce antique et Rome ne sont pas l'Europe, ils sont des origines de l'Europe. À cet égard, vous rejoignez euh, la position d'Oswald Spengler sur le sujet. Oui, je, 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 pense, que, je pense que parler d'Europe à, à l'Antiquité, déjà, omet un apport germanique non négligeable à notre civilisation. L'Europe n'est pas née avec Platon ou Aristote, même s'il y a une filiation, évidemment. L'Europe est née avec Poitiers, avec Lépante, avec Malte, avec Vienne, euh, par cette cohésion, cette prise de conscience de notre particularité face à la volonté de, de l'islam en fait de nous envahir. Et euh, d'ailleurs, il y a un ouvrage que j'aime beaucoup, c'est euh, Mahomet et Charlemagne dans bah, je les Je pense peut-être même en fait, que, donc il explique je, pour faire euh, très très rapide. Il explique qu'en fait, Charlemagne n'aurait pas pu exister sans Mahomet, euh, l'empire de Charlemagne. Voilà, il explique qu'en fait, il y a une reformation euh, vers le nord. Et, et je pense, en fait, même Henri Pirène aurait pu appeler son ouvrage euh, Mahomet et l'Europe. Je pense que sans Mahomet, finalement, il n'y a peut-être pas d'Europe. En, et Encore une fois, ce n'est pas, pas un hasard si l'empire ottoman s'arrête à Vienne. Les ottomans ont bloqué euh, face aux pays catholiques ils se sont arrêtés là où démarre l'Europe. Ce n'est pas un hasard non plus si la totalité des pays orthodoxes ont été conquis par les Ottomans, à, à l'exception de la Russie, mais la Russie à l'époque euh, de l'expansion ottomane ne représentait vraiment pas grand-chose. C'est parce qu'il y a une, une, compati une compatibilité civilisationnelle. Euh, ce n'est pas un hasard ou un coup du sort si les Balkans sont restés presque 500 ans euh, dans l'Empire ottoman, alors que chez nous, au contraire, la Grèce n'a pas prise. L'Europe, ce sont les pays catholico-protestants. J'inclus la, la Croatie, la Pologne et la Hongrie. C'est cette ligne face à laquelle les Ottomans ont calé. Ils n'ont pas pu s'installer car euh, là, ils étaient, allés, euh, ils étaient allés trop loin. Il y avait une véritable différence civilisationnelle. Les Balkans ne font pas partie de l'Europe, selon moi, euh, ni l'Europe de l'Est d'ailleurs. Et je pense qu'il n'y a pas d'Europe de l'Est. C'est en fait ce qu'on appelle l'Europe de l'Est. En fait, c'est le monde orthodoxe qui, qui n'est pas européen. Nous avons notre histoire. Euh, en fait, finalement, dans notre histoire... Nous avons toujours été séparés euh, des, des Balkans, en fait. Depuis la partition de l'Empire romain en 395, euh, nous n'avons pas eu, nous, nous eu d'histoire commune. Euh, nous n'avons pas grandi ensemble, et même parfois, nous, parfois même nous avons grandi face à face. Ils n'ont pa pas connu notre révolution. Quand nous étions l'Empire d'Occident, ils étaient l'Empire d'Orient. Quand nous étions l'Empire de Charlemagne, ils étaient l'Empire byzantin. Puis ils étaient orthodoxes quand nous étions catholiques. Puis ils étaient l'Empire ottoman. Face, face à laquelle nous sommes, face nous sommes construits. et ensuite, ils étaient le bloc de l'est quand nous étions le bloc de l'ouest. on s'interroge régulièrement pour savoir si tel ou tel pays est européen. mais c'est normal puisque finalement nous ne, nous ne sommes pas capables de nous définir nous-mêmes. nous ne savons, nous n'avons jamais fixé la limite au bon endroit. Euh, pour cela, nous, nous ne sommes pas capables en fait de, de dire exactement qu'est-ce qu'est l'europe. l'europe, je le pense, s'arrête à la pologne, à la hongrie et à la croatie. Après, ce n'est plus l'Europe, c'est le monde orthodoxe. Cette lecture a, a, a quand même le mérite d'éviter d'ouvrir une boîte de Pandore, car si les Balkans font partie de l'Europe, alors une délimitation, une démarcation avec la Turquie devient très difficile. Euh, ça est très difficile à prouver, car ces deux zones, les Balkans et l'Anatolie, sont culturellement extrêmement proches, encore plus à l'époque de la, de la sécularisation des mœurs. Donc, donc si les Balkans sont en Europe, alors pourquoi pas la Turquie Et c'est la question qui s'est posée d'ailleurs. Et puis ensuite, bah finalement, si la Turquie est européenne, pourquoi pas l'Arménie Très très proche, voire identique culturellement à la Turquie. Et en plus, les Arméniens sont, sont chrétiens. Et ensuite, si l'Arménie est, est européenne, bah pourquoi pas la Géorgie et puis l'Azerbaïdjan Et en fait, c'est une fuite en avant. Un, 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 on ouvre la boîte de Pandore parce qu'on ne fixe pas la, la limite au bon endroit. Donc la Turquie n'est pas et ne sera jamais européenne. L'Europe, c'est une construction historique, c'est acté, on ne peut plus la modifier, on ne peut pas, on ne peut pas faire de rajout. Cependant, cependant l'Europe peut disparaître. Je pense euh, en avoir fini, euh, j'espère que vous avoir intéressé. Euh, évidemment, tout n'a pas été dit et, euh, et des oublis euh, ont, ont été faits, mais des choix aussi ont été faits donc, dans la sélection euh, euh, pour, pour cet entretien. L'histoire de ce pays est extrêmement riche et je n'ai pas la prétention de tout connaître. J'en apprends tous les jours sur cette histoire très riche et cela, finalement, c'est cela qui rend la chose intéressante, captivante. Si cela vous a plu, alors désormais, c'est à vous de vous plonger dans cette grande histoire. J'aimerais citer cette phrase de Jean-Paul Roux. Je cite Je laisse à d'autres l'idée que l'histoire est un éternel recommencement, convaincu pour ma part de sa continuelle progression vers un but. Voyagez, découvrez, euh, apprenez, explorez, partez, allez voir euh, par vous-même, euh, car parfois partir, euh, cela permet aussi de, de mieux revenir. Euh, je terminerai par cela. Euh, à défaut de comprendre qui ils sont, peut-être pouvons-nous mieux comprendre qui nous sommes. Eh bien, je vous remercie énormément pour, euh, pour la qualité de vos réponses et pour, euh, pour cette très belle conclusion. Peut-être. Euh... Pour, pour finir, en guise de conclusion, est-ce que vous pourriez euh, conseiller quelques livres à nos auditeurs pour, pour mieux découvrir ce pays Oui, alors le, le, le traditionnel hein, Histoire des Turcs de Jean-Paul Roux, quand même, hein, qui, fait, euh, qui fait référence. Euh, Histoire de la Turquie, de l'Empire Ottoman au jour, d'Amin Bozarslan. Euh, également, euh, la Turquie Nouveau Califat dardavan amir Aslane, très bon, très bon ouvrage. il a une bonne analyse, je trouve, quand même de, la, de la politique turque actuelle. et euh, aussi, aussi, en fait, pour comprendre la turquie, euh, j'incite euh, vos auditeurs à s'intéresser à l'histoire de l'arménie et à l'histoire de l'empire byzantin. et parce que, en fait, c'est euh, malheureusement une erreur qui est trop souvent commise, en fait, par les gens qui s'intéressent à la turquie. c'est en pensant... Euh, euh, vouloir approfondir l'histoire de la Turquie et comprendre son origine. Euh, trop souvent, les gens s'intéressent à l'histoire de l'Asie centrale et, euh, et au peuple, au peuple turc d'Asie centrale et même à la Mongolie. Mais je pense qu'en fait, pour véritablement comprendre euh, ce qu'est ce pays, pour comprendre le, son essence son, son même, en fait, c'est plus vers l'histoire de l'Arménie et vers l'histoire de la Grèce et de l'Empire byzantin qu'il faut se tourner. Donc, euh, je vous conseille un très bon ouvrage euh, "Histoire de, de Byzance" de John Julius Norwich. Euh, et également, euh, La chute de Constantinople, euh, très bon ouvrage, véritablement, c euh, en la matière, c'est l'expert, le, c'est le spécialiste. Euh, la chute de Constantinople de Stephen Ronsindman. Je confirme également que le livre de John Julius Horwich est vraiment passionnant et très agréable à lire. Et euh, je, je vous remercie, d'ailleurs je tenais à vous remercier monsieur de m'avoir euh, laissé parler tout ce temps. Euh, J'espère avoir, euh, avoir été intéressant. Et c'était un plaisir de répondre à vos questions très pertinentes. Bien, plaisir partagé. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation et d'avoir été aussi disser sur ce sujet. À nos auditeurs, je voudrais les remercier pour leur écoute. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo pour aider au référencement de, cette, de cet entretien, de ces deux parties d'ailleurs. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite. Et également, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de, de ce qui a été dit. Euh, nous avons bien conscience, mon invité et moi-même, que certains propos euh, euh, peuvent aller contre certaines idées préconçues. Euh, la conclusion de, de, de mon invité est certainement très, très polémique et appelle à, à débat, à discussion. Donc vraiment, n'hésitez pas à, à nous dire ce que vous en pensez. Avec courtoisie et politesse, bien sûr, toujours. Et euh, je pense que mon invité et moi-même aurons grand intérêt à, à lire vos réactions, à lire vos commentaires. Tout à fait. Car nous, euh, contrairement à, à beaucoup d'autres, nous sommes ouverts au débat, et c'est ce qui permet de, de se grandir intellectuellement parlant. Exactement. Voilà. Eh bien, je vous remercie à tous pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt. À bientôt. insan der derler idi insan nedir şimdi bildim can can diyor söylerler